Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est avec un pile plaisir nous retournons pour dernier match nous pour journée ça, c'est pral États-Unis contre le Paraguay, deux perdants puisque États-Unis connaît en défaite contre le Japon alors que l'Espagne pral craser le Paraguay 4 goals à 1. Matin bien bonheur te suivre yon Allemagne qui calé la Chine 2 goals à 0. Ou surtout Haïti qui tombait une deuxième fois dans la compétition contre Nigeria, un goal à 0. Dans le même temps, tu as gagné l'Espagne qui t'a joué avec l'équipe japonaise. L'Espagne bat un goal à 0. Donc l'Espagne a gagné 6 points dans le groupe ça qui c'est groupe C. États-Unis Paraguay, nous trois comme d'habitude, Grâce Antoine, Fritzner Dominique et moi-même Pierre Jérôme pour nous porter rencontre ça pour vous. N'a tout d'abord salut. Zaminou, Grâce Antoine. Bonsoir Jérôme, bonsoir Dominique et n'a salué tout fidèle auditeur et téléspectateur en Radio-Télévision Nationale. Effectivement, j'en dis là, nous là pour match ça entre le Paraguay et l'équipe américaine, deux équipes perdantes dans quatre compétitions ça. Et je dis à ces deuxièmes Mathieu, États-Unis, pas de droit à l'erreur, tout comme l'équipe paraguayenne, c'est pour aller un match à tout casser dans le stade de Piruya, jeudi, entre deux équipes sérieuses, Paraguay et États-Unis. Dodo. Bonsoir Jérôme, bonsoir Gracien, n'a pas salué tout un fidèle auditeur téléspectateur de Radio Nationale et Télévision Nationale d'Haïti. Bon, est-ce que nous sommes capables de nous compter nous là? Bon, quand même, faut que nous fassions job là, mais après deuxième défaite équipe haïtienne, non, ben, grand pile monde qui ont été désolé, puisque ont espéré Haïti était capable de faire mieux devant l'équipe nigériane. Nous parlons groupe CA pour dernier match en journée, c'est Paraguay qui a rencontré l'équipe États-Unis, Amérique du Nord contre Amérique du Sud. Des styles différents quand même. Nous parlons qui ça deux perdants. Nous espérons que c'est pour aller un bon match puisque États-Unis pourra jouer pour le gagner, même avec Paraguay qui pourra jouer pour le gagner dans la compétition. C'est ça parce que États-Unis, monsieur, doit faire respecter grand lit en tant qu'équipe qui remporte la compétition ça trois fois, même Jean avec l'Allemagne. Donc nous pensons que États-Unis gagne pour le devoir, pour le capable de ressaisir. Réparer tête li souffle dans un groupe ça et dans compétition tout et bien conserver espoir pour continuer aventure et France dans groupe c'est ça il gagne 6 points l'Espagne vient gagner 6 points goal différence plus 4 parce qu'il te bat 4-1 et je dis elle bat 1-0 donc l'Espagne t'a censé qualifier là pour pas t'a censé mais qualifier oui, à 6 points même j'avais rapidement bas nos tableaux hein. Voilà 6 points pour l'Espagne goal différence plus 4 et 3 points pour Japon goal différence 0 et puis gagné États-Unis qui gagne 3e place avec 0 pour goal différence et moins 1 parce qu'il a perdu 1-0 et puis dernier c'est Paraguay qui gagne 0 pour goal différence moins 3 donc États-Unis je t'ai dit le Fritz Dominique et Grâce Antoine c'est pour le match à tout casser le Paraguay tout monsieur que ne pas doit négliger pour tenter tout et bien où est-ce qu'il est capable de rester en vie dans la compétition hein. Faut nous pas pencher balance comme je n'ai pas c'est vrai que Grâce Antoine Fritz Dominique États-Unis c'est un habitué et d'ailleurs les discuter toute édition compétition ça des beaucoup raté une même j'avais Brésil l'Allemagne et le Nigeria mais en sûreté que nous je n'ai bel échange, c'est pas un match comme Zimbabwe qui parle à sens unique, côté que États-Unis a joué et Paraguay pas remettre rien. Nous t'as souhaité que nous gagnions un bel match football. Question pour nous, eh bien, on t'y j'en mettons on t'y bémol dans la tristesse que nous sommes prêts tout à l'heure là parce que personne, monsieur, ne va attendre que Haïti t'apprête comme Zimbabwe, soit si comme ça, parce que nous passons deux adversaires qui t'effraient vraiment à la portée nous. Alors au départ sur le papier c'était un groupe qui paraît difficile mais la réalité c'est pas ça du tout. Oui, puisque même face à l'équipe d'IA, nous sommes capables de faire un nul contre la Chine et puis jeudi a fait deux goals contre Nigeria et puis nous au bien sûr, nous avons plus inversé pour me dire on victoire contre la Chine, jeudi a un nul. Et puis nous avons qualifié pour les quarts de finale, oui. Puisque c'est deux matchs jeudi qui a apporté nous, même si nous avons raté la première période là contre l'équipe de la Chine, mais deuxième mi-temps, y compris les 90 minutes contre
contre Nigeria, vraiment l'équipe haïtienne a raté l'occasion pour lui disputer une bonne compétition. C'est pas une équipe qui est ridicule, c'est pas une équipe qui est méconnaissable. Nous capables de gagner quelques regrets après deux défaites dans la compétition contre la Chine, mais aussi contre l'équipe nigériane. Maintenant, en ce qui concerne États-Unis contre Paraguay, je dis là, l'équipe américaine dans Jérôme, c'est une grande puissance au niveau du football féminin, toutes catégories confondues. L'équipe américaine, c'est l'équipe qui est plus titrée aux côtés de l'équipe de l'Allemagne. C'est 9 éditions, 9 participations pour cette équipe américaine face au Paraguay qui pas vraiment. En nos grâces, Antoine, tombé dans l'hymne national des États-Unis. C'est pas encore l'hymne national, donc on est capable de continuer, Gracien. Oui, et Paraguay, c'est pas une grosse force de frappe dans la zone Amérique du Sud là. C'est parce que zone ça, et à part Brésil, pas gagné de l'autre équipe qui vraiment veut briller. On est capable de remarquer Argentine par là. Et nous capable de remarquer également Dominique Frisner, c'est seulement 2 places qu'ils ont accordées à pays en Amérique du Sud. Oui, alors je nous dis tantôt, c'est un match qui est important pour deux formations, yo, Paraguay et États-Unis, et surtout États-Unis, j'en soutiens l'État Léa, 9 participations dans la phase finale de la Coupe du Monde dans la catégorie Laïsa, et c'est un habitué champion, parce que États-Unis ont intérêt pour bailler importance à compétition ça, puisque nous songeons, Jérôme, États-Unis pas de chance pour te participer dans la phase finale de la Coupe du Monde dans senior là, qui était faite récemment là, en Russie. Là, parce que le peuple américain, eh bien, il y a une équipe en football ça. Yon défaite dans le premier match, et nous disons ça, c'est important pour gagner le premier match. Malheureusement, ça n'a pas arrivé fait. Là, parce que yon pas le goût en pile pour yon racheter le premier 3 points dans la compétition. C'est ça, monsieur. Jusque-là, gagné 40 goals qui inscrit pour 15 matchs. Yon coupe du monde très prolifique. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est presque. Un seul match nul 0-0. Oui, c'est pas mal, c'est presque même. C'est la France qui fait, et nous ne pouvons pas suspendre rappeler match nul, triste match nul entre la France et le Danemark en Russie. Et la France qui récidive cette fois-ci, c'est contre l'autre adversaire. Alors oui. Seulement, monsieur, mais différence là, c'est pas même situation. La France fait match nul 0-0, c'est lui qui fait un seul match nul, compétition 0-0, mais c'est la France qui va le champion. Bon, alors, sinon, sinon ça me déca ajouter tout, monsieur, c'est. Monsieur, nous sommes stade Guy Piriou. Attention, les gars. Alors, on va Kevin dans tête. Voilà, je pense que le football lagoon, il va seulement prendre un ballon à le souterrain. Je pense qu'il faut faire comme musique pour le footballeur, le footballeur. Oui, oui. Oui, il faut apprendre à chanter. Alors, nous avons Concarneau. Nous avons arrondissement Concarneau dans le stade Guy Piriou. Alors, monsieur, avant nous entrer d'emblée dans le match États-Unis Paraguay, nous allons continuer rapidement. Alors, ça c'est formation équipe. Tout d'abord, grâce à Antoine. Voilà. Oui, les États-Unis. Oui, l'équipe américaine avec dans les buts Ivory, Laurel, Caroline. Alors, là, c'est Laurel, Ivory. En défense, Mark Kahn, Gemma Naomi, Yat Samantha, Piquet au milieu du terrain, Orwell Jolin, Villa Corta Viviana, Savannah Demido, Giroli Irlin à la pointe de l'attaque, Ashley Sanchez et Sophia Smith, le 11 de l'équipe américaine, l'équipe étoilée. Photo souvenir pour l'équipe américaine des moins de 20 ans. 9e édition Coupe du Monde féminine. France 2018. Tout à l'heure, nous pouvons capable de faire connaissance avec l'équipe paraguayenne. Ouais, Timounio est très 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 jeune, monsieur, capable de voir ça sur le visage. Il change deux fagnons, oui. Et puis, monsieur, c'est un match qui peut être dirigé par trois chinoises dans ce premier temps. L'arbitre central, c'est Kin. C'est une arbitre chinoise. Elle sera assistée. On a fini avec assistantio. Tout d'abord, Fritz et Dominique, l'équipe du Paraguay. Dans les buts pour le Paraguay, Isabelle Ortiz. En défense, Maria Vika, Lorena Alonso, Limpia Freites, Rosa Mino, Fanny Godoy, Fabiola Sandoval, Jessica Martinez, Natalia Villa Santi, Jessica Sanchez et puis Diana
Bogarin, le 11 du Paraguay. Depuis coach là, monsieur, coach États-Unis, c'est Jitka Klimkova. Alors que Epifania Benitez, voilà. Et puis nous sommes dans l'arbitre, monsieur. C'est un match qui va être dirigé par trois Chinoises et une Allemande. Tout d'abord, l'arbitre central, c'est Qin Liang, chinoise. Elle sera assistée de Qiu Yongmei, on l'autre chinoise. Et puis Feng Yang, ils ont l'autre chinoise. Et puis quatrième arbitre là, c'est Staus Bibiana, qui c'est une Allemande. Voilà, madame, monsieur, décollant bien planté dans le stade Gipiwi, dans l'arrondissement Concarneau, pour deuxième match dans le groupe C1. A rappeler que l'Espagne a battu le Japon sur le strict minimum de 1 but à 0. Alors, Jérôme, ça me devait dire, sous question, on a parlé de question de la France. C'est parti, on a venir avec commentaire ça concernant France-Danemark qui est fini 0-0 dans la Coupe du Monde ou ici 2018. Justement, match de Lilake est déjà en première faute dans la rencontre là. C'est une joueuse paraguayenne qui a allongé sous pelouse là. On va louer intervention 1. Oui, 12h18, équipe américaine, Jeline Howell. D'un côté, faire remarque là, Jérôme, c'est des jeunes, l'équipe paraguayenne avec, nous capables de dire, Timounio qui, c'est 16-17 ans à peu près, sous visage paraguayenne, Kaniza, et c'est lui-même qui va garder cage, équipe ça, communément appelée les Guarani. Alors, son équipe, probablement la grand pile là-dedans, si toutefois paraguayen, du moins, c'est l'équipe paraguayenne, sa jeune qualification pour la prochaine Coupe du Monde, qui est présent pour l'équipe paraguayenne. C'est ça, attention, ballon pour l'équipe américaine, intervention dans le terrain d'une joueuse et paraguayenne, Fanny Godoy. Attention, intervention au centre de la défense, ballon pour le Paraguay, on décalage à droite, cette lampe à bol manque force, ballon mal dégagé, on frappe du gauche, ça passe à côté, première alerte pour le Paraguay, tentative de Fabiola Sandoval. Il gagne 19 ans, monsieur. Donc, il n'est pas capable de jouer encore une Coupe du Monde, moins de 20 ans. Parce qu'il a déjà gagné 19 ans. Alors, ce que gagne de l'autre, c'est qu'il gagne 14-15 ans. Capable de jouer en l'autre Coupe du Monde. Attention, et touche la fête, la couverture. Est-ce que vous avez connaît? Oui. Non, pas de corner. Alors, pour l'équipe américaine, il y a PC sorti avec un passe de Ashley Sanchez. Ballon finalement, il est sorti en touche. Touche qui va le faire par le 202. Je vais parler de Maria Veca. Bon, américaine là qui est en difficulté. Oui. C'est le numéro 8. Est-ce que c'est le numéro 8 là, on va être capable d'identifier pour vous, mais plus de peur que de mal, puisque joueuse américaine, il levé, contrôle manqué, et c'est pour aller en sortie de but. Remise en jeu pour la formation étoilée. Américaine yo, qui vient pour devoir ressaisir dans le match football ça. On a Kyoto, Smith, Sophia Smith. Sophia Smith qui a joué avec numéro 9 là. Sophia Smith qui gagnait 17 ans, monsieur. 17 ans pour Sophia Smith. Attention à la déviation de la tête. Un dégagement au centre de la défense du Paraguay. Coup de tête dans la défense américaine. Deuxième balle pour les Paraguayennes. Intervention de la terrain. Américaine de Paris de Conseville. Ballon dans la terrain. Et contrôlé par Rosamino. Intervention ratée. Ballon toujours équipe paraguayenne avec Natalia Via Sandy. Finalement, ce ballon qui en touche. Son ballon qui sautait en touche. Touche qui va être faite par Rosamino. Vous avez dit pour faire touche là, déjà Noël, numéro 10 là, Jessica Martinez, cap mandé pour faire touche là sous lui, touche là pas arrivé sous Jessica Martinez, ballon intercepté par la joueuse américaine, la passe en retrait, en dégagement, coup de tête dans le terrain, deuxième balle pour les américaines, dégagement contré, et c'est une touche pour l'équipe américaine. On a vous semblé vite pour compte, monsieur. Il a fait pressing là, très haut, coup de tête la fête, réception. Il y a touche.
touche pour la formation paraguayenne. Sur le côté gauche, touche le poil fait. Attention, la réception de la cuisse de Jessica Martinez. Deux contre une. Ballon finalement, lit et sorti en touche. Le mec a dit deux contre un, qu'on y a six, deux contre une. Nous sommes en football féminin. Sans problème, la numéro. Oui, attention, on a le numéro 9 ou la numéro 9 à l'écran. Je parlais de Sophia Smith. Touche pour la formation étoilée. La touche effectuée. Dégagement au sein de la défense du Paraguay. Dégagement signé. Lorena Alonso. Attention, la passe dans le couloir. Le centre en danger. Bon tacle pour stopper frappe ça. C'est pas fini. Et l'arbitre central arrête la rencontre. Kim Leon. Kim Leon. Voilà. Il y avait faute sur Rosa Mino. C'est la reprise de l'action. Mais quel effort de la défenseur paraguayenne pour stopper la frappe de l'attaquante américaine. Attention, la relance, coup de tête défensif, la déviation, ballon pour l'équipe américaine. Attention, on joue dans l'axe du terrain, ballon finalement la jeune, on joue américaine, la passe ni trop courte, ni trop courte, ni trop courte. Dégagement. Match qui est commencé sur un bon rythme, monsieur. Oui, surtout bon côté équipe paraguayenne qui montre les pissous ça dans le début match à football ça, mais quand même, il faut que nous tenions une réaction jeune américaine. Merci Antoine, premier mot sur le début match ça. Jean Dilla Jérôme, Frisner Dominique, c'est un très bon début de match. Surtout du côté du Paraguay, mais aussi du côté de l'équipe américaine, avec première tentative qui était paraguayenne, et puis en second lieu, c'était l'équipe américaine qui voulait bousculer l'équipe paraguayenne. C'est ça, entre temps, son ballon soutien touche, touche concédée par la numéro 18. Je vais parler de Jalen Howell. Touche, non, c'est contre les États-Unis, c'est pour l'équipe du Paraguay. Touche la fête rapidement. Attention, intervention d'une joueuse paraguayenne. C'est une nouvelle touche pour le Paraguay. L'un des représentants de l'Amérique du Sud. Attention, ballon donc pour l'équipe américaine. Et il fait passer là en retrait. Décalage à gauche. Passe donc de Howell. Ballon dans le couloir à gauche là. Balle de centre maintenant. Il est pour qu'on le centre. Après son centre. Et qui contre. Dégagement de la défense paraguayenne. Finalement, son coup de tête. Le contrôle de la cuisse. Réalisé par Jalen Howell. Jalen Howell fait en retrait pour Naomi Girma. Naomi Girma passe contre. Équipe Paraguay n'a qu'un rebond. Faute. Arbitre central. Madame Kim Leon arrête la rencontre pour octroyer un coup franc au profit de l'équipe du Paraguay. Il y avait faute sur Jessica Martinez. Jessica Martinez, carton jaune déjà pour Jalen Howell. Latéral gauche de l'équipe américaine. Carton jaune très tôt, monsieur. Ouais. On joue seulement la 7e minute de jeu. Attention à ce coup franc. Et décalé dans le couloir. Centre pour Alvini. Centre mal travaillé. Ballon repoussé. Deuxième balle. Il a refoulé sur la séparation. Mais elle mettait trop force la donne. C'est Rosa Mino. Le numéro 7 de l'équipe du Paraguay. On va jouer la 8e minute de jeu. C'est déjà la 8e minute de jeu. 0-0 entre américaine et paraguayenne. Alors, Jérôme, permette-moi de nous dire que Haïti qui a participé dans la phase finale de la Coupe du Monde ça, sous deux défaites. On dit que le prochain match c'est face à l'équipe l'Allemagne. Il a quitté Saint-Malo pour aller à Vannes pour jouer le dernier match de Poulza. On dit Haïti-Allemagne, monsieur. Et David contre Goliath. Et puis amène Haïti à la boucherie. Bon, c'est le football. Entre temps, son ballon qui sorti. Nous dans Concarno, dans le stade Guy Pirou. Attention, touche la fête. Ballon dégagé. Nouvelle touche. Ouais, ce sont des mini-stades de garantie.
pour la Coupe du Monde dans senior là, et la France peut organiser ou pas pour jouer dans un stade. Non, 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 ça n'est pas pour tout le monde jouer. Ça n'est pas pour tout le monde grâce. Oui. Entre temps, qu'est-ce qui se passe exactement? L'arbitre chinoise arrête le jeu. C'est une remise en jeu pour les Paraguayennes sur le ballon. Isabelle Ortiz. Isabelle Ortiz, elle prend son élan. Relance n'est pas bon. Un coup de tête. Contrôle pas l'assuré par Demelo. Mais défense paraguayenne dégagée. Son ballon contrôlé de la poitrine. Bien joué. On dégagement. Est-ce que la tout passe? Mais non. On dégagement donc de la tête de Jeline Orwell. Jeline Orwell, c'est première joueuse qui prend carton jaune dans le match là. Et c'est de très tôt. Touche en fait rapidement, déviation de la tête, on l'autre déviation, le contour de la poitrine, l'arrive à conserver le ballon, et c'est une nouvelle touche. Et ce ballon a les deux en pile, surtout dans le couloir gauche, équipe américaine, mais couloir droit, formation paraguayenne. La 9e minute de jeu, c'est la 10e à présent, toute Saint-Dominique, 0-0 entre États-Unis et Paraguay. Oui, jusqu'à présent 0-0, équipe paraguayenne dans le premier temps qui tape les pressions, mais mesdames américaines, yo, eh ben yo réveillé yo là, jusqu'à présent capable de dire c'est un match très 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 équilibré. Alors moi même ça me t'a souhaité, ouais, on joue Haïti et en mesure organiser genre de compétition ça, parce que l'organiser genre de compétition ça yo, bien ça a l'intérêt. Et me garantis ou après compétition ça, région Bretagne, eh ben pral gen en pile retombée économique. Oui, hôtel, oui. Restaurant, et chauffeur taxi, a fait l'argent et grand pile moun tout. Évidemment, évidemment, l'important l'organiser genre de compétition ça yo pour question intérêt économique. Mais pour organiser yo, faudrait-il que ou gagne infrastructure. Évidemment, évidemment. Faut gagner stade qui a construit. On dit que nous avons un stade qui est le Silvio Cator, qui l'a depuis 1952. Vieux grand prend frappe dans mes goudou goudou. Attention! Est-ce que des goals, mais non, ça passe à côté. Ballon passé tête goal là. Depuis là, équipe américaine n'était capable d'ouvrir score là. Oui, on a parlé de stade 0-14. Ça a gagné quelques temps là depuis 1952-2018. À cette époque, c'était Pac Lecomte. Oui. Et Vin stade 0-14. Bon, parce que l'important, l'important. Son stade qui commençait sous président Dimanche Estimé. Et que Paul Eugène Magloire pral inaugure. L'important, et surtout championnat nous yo. Grand, pas capable encore. Championnat nous yo, tout faut que nous repensions. D'ailleurs, championnat féminin, nous connaissons pas deux problèmes ni gagnés. Quand même, si ça te fait, jeunes mesdames, il faut que nous félicitions yo pour l'effort que vous faites. Non seulement qualifier l'équipe là pour aller dans la Coupe du Monde. 66 ans, monsieur. 66 ans depuis Stade Silvio Cator là. Voilà. Non seulement pour effort fait qualifier l'équipe là pour aller dans la phase finale Coupe du Monde là. Et prestation yo fait devant la Chine et devant Nigeria, parce que pas de gros bagages capable de reprocher. Ça qui était pour nous faire là, c'est yo plus de détails. Yo plus de détails. Fond de jeu là, on sentit que gen talent. Oui. Seulement nous avons des petits détails que pas réglés. Nous avons des qualités individuelles. Le cas de Melchidael du Morning. L'équipe là, jouable. L'équipe est jouable. On sentit que ça va pas assister. Hein, ou remène. Voilà. Ou bon seul bagarre dit que l'équipe là pas capable de faire goal, il pas capable de faire victoire. Mais sur doit garder l'équipe là, ou pour appeler si vous me gardez l'équipe haïtienne. Si. Ça, merci d'ailleurs, tu m'as dit ce fait là, monsieur. Oui, c'est extraordinaire. Là, il y a une faute pour la sélection paraguayenne, faute commise par Guilma et la joueuse de l'équipe américaine. 0-0 entre paraguayenne et l'équipe américaine. C'est deuxième journée dans le groupe CA, 9e édition de la Coupe du Monde France 2018. La France à l'honneur après avoir remporté la Coupe du Monde en Russie en 2018. La France reçoit cette Coupe du Monde. Et puis en 2019, la France va à nouveau recevoir
recevoir la Coupe du monde senior féminine, a rappelé l'élimination de l'équipe haïtienne de cette compétition. Christian Dominique, nous songeons ça, avec surtout un très mauvais entame d'éliminatoire. Nous t'es tombé dès le premier tour et surtout face à l'équipe jamaïcaine. C'est un combat qui vient dans tête, là, monsieur. C'est aussi, c'est pendant toute l'année, oui, qui vient une compétition. Toute année. Pendant toute l'année, oui. On finit avec le mondial, ça, là, on va entrer dans le championnat européen, et puis octobre, nous allons aller en Uruguay, oui, pour Coupe du monde de 17 ans. Oui. Malheureusement, nous sommes éliminés. Nous pas présents. Nous sommes tombés dans Copa América en juin. Avant ça, nous avons Cannes. Nous avons Cannes Can 2019 là, en janvier. Nous avons le Gold Cup. Avec 17, pendant toute l'année, a gagné compétition. Attaque équipe américaine. Là. Oui, ils ont attaqué avec la sélection américaine. Possibilité de but, ballon de la surface. Attention! Travail, monsieur, réalisé par... Voilà le but de l'ouverture du score. Un très bon travail. Smith de la surface. Le dribble réussi, Jérôme Pierre. Dans un angle fermé. Fermé. On espère avoir ce but avec Melchida El Dumont. Et malheureusement, il s'est passé. Smith, il était passé à côté. Elle a seulement 17 ans. Effectivement. Ballon et Melchida est passé à côté. Et Smith lui-même qui transformé par là. Oui. Au deuxième poteau. Monsieur. Smith, 10 août 2000, âgé seulement de 17 ans, la buteuse de l'équipe américaine contre l'équipe paraguayenne, 1-0. Auditeurs et téléspectateurs, rentrée de touche côté paraguayen, ballon repoussé, la deuxième balle au profit de l'équipe paraguayenne, deux joueuses américaines au marquage, ballon repoussé en avant, les paraguayennes à l'attaque, à partir du côté et droit avec Jiménez, Borgarine Jiménez. Ballon dégagé par la défense américaine. Le ballon au profit de la sélection étoilée. L'équipe américaine avec McCurn. La passe en retrait. Oui, la bonne déviation. Toujours du côté de l'équipe américaine avec Pickett. Ballon en retrait. Les américaines dans le territoire de l'équipe paraguayenne. Mauvaise passe. Le ballon qui sort en touche. L'entrée de touche en faveur de l'équipe du Paraguay. Désormais de Romur. Après le but de l'ouverture du score de Sophia Smith, ballon au profit de l'équipe américaine, ballon en avant en direction de Orel, récupération côté paraguayen, l'équipe du Paraguay à l'attaque, la récupération du côté de l'équipe américaine, les américaines à l'attaque, la passe sur le flanc gauche, passe en avant, les américaines qui attaquent, deux joueuses du côté paraguayen à la récupération, les américaines à nouveau à l'attaque, il n'y a pas faute, récupération du côté de l'équipe paraguayenne, ballon repoussé, les américaines maintenant qui insistent à la recherche but, ballon à gauche avec notamment Pickett, le ballon, attention mes ententes de la défense paraguayenne, Caniza qui était capable quitter ballon, rentrer au fond Fileli, c'est dommage pour le Paraguay, manque de confiance et manque d'expérience également puisque Paraguay c'est pas un habitué dans la Coupe du Monde U21. Ballon au profit de l'équipe américaine. C'est un corner. Gilmar dans la surface. Orel également. Le ballon qui va soulever. Et le ballon pour l'équipe américaine. Le ballon soulevé de la surface. Attention. Possibilité du deuxième goal. Elle a raté complètement sa tentative. Alors que Jérôme, goalkeeper à patte là, elle était tout près de la ligne de but. C'est dommage, c'était McCann qui avait la possibilité. Tara Mac et Kion. Oui, ballon repoussé en avant, les américaines en possession de la balle, récupération avec l'équipe paraguayenne, les américaines en possession de la balle avec Pickett qui joue en avant, ballon
en défense pour le moment. Oui, ballon de la défense centrale. Le ballon pour la portière Ivory, âgé de 18 ans. Une longue balle sur le côté gauche. Les Américaines en possession de la balle. Un but à zéro. Un but de Sophia Smith pour la sélection américaine. C'est la 13e minute de jeu. La passe sur le flanc droit. Les Américaines qui attaquent malheureusement. Ballon sorti en touche, rentrée de touche au profit de l'équipe américaine. Touche exécutée. La passe à droite. Ballon en direction de Orel. Est-ce que l'est sorti en touche? Oui, l'est sorti en touche. C'était Savannah Demelo. Rentrée de touche assuré. Américaine qui gagne possession de balle là. Le ballon soulevé. Possibilité de deuxième but. Mais ballon facile pour la portière Caniza. La portière de la sélection paraguayenne. Les Guarani. On revoit ce centre. Et puis ballon capté par la portière de l'équipe du Paraguay. Ballon au profit des Paraguayennes. C'est la 20e minute de jeu. L'équipe du Paraguay à l'attaque. Le ballon à l'approche de la surface de réparation avec Jessica Martinez Villagra. Ballon qui sorti en corner. Corner concédé par Dilma Naromi. Le corner de la droite vers la gauche en regardant les buts de Ivory. Le corner en faveur de l'équipe du Paraguay. Paraguayenne qui est dos au mur puisque yo encaissé goal et jusque là yo poco capable de jouer une égalisation. Yo corner ballon qui prend soulevé dans surface à réparation. Rosamino. Le ballon soulevé dans la surface. Attention, possibilité de tête défensive. Le rebond est favorable à l'équipe paraguayenne. Le ballon de la surface. Attention, possibilité d'égalisation. Mais c'est à côté des buts de Ivory. Remise au 5-50 en faveur de l'équipe américaine qui s'est dominée. Déjà qualifié pour les quarts de finale Espagne, Allemagne et Pays-Bas. La France, pays organisateur, a gagné 4 points pour qualifier. Alors, bien sûr, ça, monsieur, c'est pour nous dire nous, situation. France, Danemark, en Coupe du Monde là, 0-0, c'est déjà gagné bien qualificatif. Oui. Contrairement à Coupe du Monde, ça, nous fait match avant hier là, mais nous beaucoup qualifié. Et tellement bail Dominique Raison qui retourne sous ça. L'offre qualifié au capable de faire n'importe quoi. Nous sommes en 2007, Haïti était déjà qualifié pour demi-finale dans Caraïbes des Nations, hein, Haïti avec Luis Amelio Garcia qui était accepté perdu contre Trinidad et puis... Attention monsieur! Et puis en finale, même Haïti ça t'a pris bat Trinidad et remporter titre champion, hein. Il y a une histoire que nous n'avons pas capable d'oublier, Jérôme Pierre. Nous n'avons pas capable d'oublier Brunel Fussien, Timoussico, Franz Gilles, Negli Ogan, Elifen Kader, Obron Peter Germain, nous sommes tous monsieur Sayo qui était fait partie équipe ça, c'était vraiment la belle époque du football haïtien avec Luis Almelio Garcia. Oui, il y a un entraîneur qui quittait nous sous soif, nous, par le fait que nous t'attendons beaucoup plus que ça, par le fait que également il était champion Caraïbe et nous pensait dans Gold Cup et dans l'autre éliminatoire Coupe du Monde. Nous sommes capables de jouer encore le meilleur avec Luis Almelio Garcia. Quand on carton jaune qui est là, c'est Naomi Girma. Oui. Nous sommes après Haïti remporté pour faire ça, monsieur. Nous allons dans le Gold Cup. Ça va être important pour faire bon bagaille. Pourquoi on est Martinique, tu es dans le groupe Haïti. Nous sommes tous dans le barrage. Nous le samedi, nous jouons le barrage avec deux équipes. Finalement, la République Dominicaine qui a abandonné. Et puis, nous faisons barrage avec Antigua et Barbuda. Journal français yo a bay Haïti favori pour Gold Cup là en 2008. Haïti favori pour Gold Cup. Le ballon soulevé, possibilité, non, ballon repoussé par la défense du Paraguay. Jérôme Pierre, toujours 1-0 en faveur de l'équipe américaine. Oui, goal qui est marqué. Oui, un goal qui est marqué par Sophia Smith à la 17e minute de jeu. Américaine a mené par un goal à 0. Et c'est si on fait victoire là, et bien cette compétition sera belle pour vous. Nous allons seulement bien pour jouer le dernier match et dans
Lundi 13, il y a joué. Lundi 13, il y a joué contre l'Espagne, s'il vous plaît. Et puis Haïti qui a rendez-vous avec l'Allemagne. Oui, attention, ballon en profondeur, bonne défense, intervention ratée, il n'y a pas faute. Ballon pour les Américaines, intervention donc au sein de la défense du Paraguay, en dégagement, ballon pas sorti, il est finalement sorti sous intervention et notice et paraguayen, alors que Kenya, Epifania et Benitez qui pas d'accord avec la décision, ça, ils pensent que c'est pour lui, le double by touche là, après son tentative roulette, il y avait faute sur cette action. La vie centrale chinoise là. Vous connaissez grand pile faute dans ma carrière. Kim Liang, voilà la faute commise par. Voilà mes tentatives de Zizou. Quatrième minute de jeu, on joue à présent la 25e. Alors, faut dire pour l'auditeur, je vais être là, faut y camper, puisque c'est la radio qui attend de nous. Oui, pour mon télévision, il n'y a pas de problème. Mais pour mon radio, je vais être là, faut y camper là. Mon télévision, ouais. Mon ouais. Mon radio, attendez. Quand même, pour que nous remercions Euroseram. Oui, Euroseram. Et puis, il y a ICTH qui est avec nous pour Coupe du Monde. On a profité pour nous saluer monsieur qui a fait commentaire dans la radio. Yo. Raymond Jean-Louis, Game Joseph, Paul Che Franklin, Nelson et. Paul Che de retour. Oui, Paul Che de retour. On est le tour de Colombie. Voilà, 1-0 pour les Américaines. Bon, titan mort dans la minute que nous avons parlé. Hein. Oui, c'est le moment pour mesdames à le prendre titre. Indistinctement, tout le monde qui branché, soit dans la ville provinciale, nous avons mis nous Akin, Marie-Rouge, Ansafoleur, Lascaubas, Sivadier, Jacques Mel, Miragouane, Semak, Okap. C'est un vrai haïtien, mon cher. J'aime beaucoup quand même. C'est un vrai haïtien. Mon grande colline qui branchait. Nos amis du côté de Solino, Pénard de Solino. On revoit Jérôme Pierre, le but marqué ouais. Par Sophia Smith avec un beaucoup de but. Combativité. Il va le deuxième libre et puis frappe du gauche au premier superbe, poteau. Superbe. En plus d'intelligence, c'est une action ça, de la part de Sophia Smith. Il est marqué au premier poteau dans petit espace ouvert. C'est quand même à féliciter. Joli but de Sophia Smith. Elle n'a que 17 ans. Nous saluons El Senior de la Radio Nationale. Et puis. Negleogan. En Pilgon. Et Laura Laguerre de la Radio Nationale. Et puis il y a à la TNH. Claude Saint-Jean. Et puis Cassidy. Notre Cassidy National. Coup franc pour. La formation étoilée, c'est la 27e minute de jeu. Les Américaines n'amènent pas un but à zéro. Si vous nous rejoignez, ce but porte la signature de Sophia Smith. Et arbitre chinoise, Kim Leong, a parlé avec un défenseur paraguayenio. Combinaison, attention, elle peut centrer maintenant. Elle ne parvient pas à cette corner. Pour les Américaines, corner concédé par Rosa Mino. Rosa Mino, le numéro 7 du Paraguay. Attention, corner soulevé, coup de tête raté. Et c'est pas le ballon pour l'équipe américaine. Il n'est pas sorti. Ballon pour Tara Maquet qui a un jeune qui était sorti en touche. Touche le fait. Un ballon qui dévié. Le couteau de la poitrine. Passe mais ballon pour Isabelle Ortiz. Isabelle Ortiz. Pour être capable de faire relancer. Vous êtes sur la RTNH, la radio et la télévision nationale d'Haïti. Ça fait important dans le match de football, ça, Jérôme. C'est que, quelle que soit l'équipe qui gagne là, il espérait qualifier pour le quart de finale. Dans la dernière journée, il va le gommer pour une autre victoire qui va la capacité de l'Iwe quart de finale. Oui, la capacité de l'Iwe, Galilée.
Même si, et d'un point de vue, c'est très difficile pour les Américaines, par le fait qu'ils ont perdu face au Japon, et dans la dernière journée, les Japonais ont rencontré le Paraguay. Qui est-ce qui me paraît sembler l'équipe qui est plus faible dans le groupe ça? Mais maintenant, même si les États-Unis battent Paraguay aujourd'hui, ils battent l'Espagne, ils n'ont pas trop garanti que la qualité, oui, puisque le Japon est capable tout de même battre Paraguay. Son question, c'est différence de but qui prend pas et qui justement parce que le Japon a 3 points. Donc, même le Brésil, destin Brésil, pas nommé. L'Espagne a 6 points, tout monsieur. L'Espagne va baisser pavillon devant l'équipe américaine. Parce que si l'Américaine nous a battu, il y a 3 points, Japon 3 points, l'Espagne 6 points. Moi, ça peut le passer. Donc, on est capable de venir équipes. C'est vrai possible, c'est trois, j'en dis là, pour y avoir trois équipes. Oui, il y a possibilité pour trois équipes pour être à 6 points. Donc, là, la capable de gens compliqué. Voilà, un changement est prématuré. Oui. Et c'est Fanny Godoy qui sortit. C'est Gonzalez qui est rentré. Oui. Gonzalez qui est rentré dans le match là pour l'équipe du Paraguay. Changement circonstanciel pour le Paraguay. Lorsqu'on change mon bonheur comme ça, c'est pas toujours un bon bagage. Et c'est Camila Gonzalez qui gagne 19 ans qui rentre dans le match là à la place de Fanny Godoy. Ici 2018. C'est ça, entre temps, coup franc pour l'équipe américaine. On joue la 30e minute de jeu. Foot Saint-Dominique après 30 minutes comme on est physionomie match. Oui, et on suit coup franc ça. Bon côté équipe américaine, non, coup franc beauté, coup de tête, possibilité de réussir. Elle a raison. Et effectivement, oui, tu as une position avancée. Il y a un joueur américain qui est arrivé sur action et qui en jeu à refaire donc pour les Américaines. Oui, nous avons dit que l'équipe américaine non, qui mettait en pointe dans le match à football là. Il est vrai que dans le début match là, nous avons ressenti par Gouen, nous avons montré plus sous ça par rapport à l'équipe américaine non. Mais l'Américaine nous dit nous plus réalistes. Et bien, action nous jouons là pour nous faire gol là, nous faire l'île, nous mené un gol à zéro et il y a goumé jusqu'au bout. Jusqu'à présent, on attend les réactions des jeunes paraguayens. Grâce à Antoine, Euroceram, ICDH, qui sponsor nous dans la Coupe du Monde. Ça. Oui, effectivement, et Napton Lot encore, ballon au profit de l'équipe américaine, les Américaines au niveau de leur défense, la passe en avant de Yat Samantha, une longue balle, les Américaines à l'attaque avec Ashley Sanchez, ballon perdu, récupération avec l'équipe paraguayenne, ballon à gauche, le ballon qui sort en touche, l'entrée de touche en faveur de l'équipe du Paraguay. On revoit cette attaque de l'équipe américaine emmenée par Savannah Demelo, mais le ballon, alors équipe paraguayenne qui récupère le ballon, essayons de rentrer de touche qui est exécuté là, ballon au profit de l'équipe du Paraguay, la longue balle en avant à la recherche de Barrientos, l'attaquante de l'équipe du Paraguay, mais ballon dégagé par la défense de l'équipe américaine, ballon dégagé par Gilmar Naomi qui a déjà écopé d'un carton jaune, rentrée de touche en faveur de l'équipe paraguayenne avec notamment le 214, la numéro 14 Dias, rentrée de touche avec Dias, ballon de la surface, le dégagement de la défense américaine, le rebond au profit de l'équipe paraguayenne, l'équipe de l'Amérique du Sud, ballon repoussé, le rebond au profit de l'équipe du Paraguay avec notamment le 216 Jessica Daina Sanchez, le ballon de la surface, attention, danger pour les États-Unis, danger écarté, le ballon qui sort en touche, l'entrée de touche en faveur
de l'équipe du Paraguay. La rentrée de touche avec Diaz, le 214, ballon de la surface, danger pour l'équipe étoilée, ballon repoussé en avant, le rebond au profit de l'équipe paraguayenne. Attention, l'équipe américaine qui récupère, non, ballon dégagé par la défense des États-Unis, le rebond au profit de l'équipe américaine, dégagement de la défense paraguayenne, un long ballon de paraguayenne pour la récupération du ballon. Attention, ballon n'a rentré 16 mètres, passe en retrait, ballon soulevé, danger pour l'équipe américaine, égalisation, non, ballon dégagé par la défense américaine, le ballon qui sort en touche. Alors, on dit que Gassin-Croix et Saint-Dominique, c'est première confrontation entre deux équipes Sayo dans l'histoire dans le football féminin catégorie moins de 20 ans. Oui, comme dans catégorie ça, moins de 20 ans, non, dans côté mesdames, c'est première fois qu'il y a rencontré. Oui, États-Unis peut jouer avec Paraguay. L'équipe américaine en possession de la balle, une longue balle en avant à la recherche de Sophia Smith, paraguayenne Caniza. Caniza à la relance pour la sélection paraguayenne, ballon au profit de l'équipe étoilée, les américaines, coup de tête, ballon pour les américaines, la passe au milieu du terrain, on joue en avant, une mauvaise passe, dégagement de la défense paraguayenne, le rebond au profit de l'équipe américaine, bon ballon, il y a d'espace, la passe en avant, oui, bon ballon pour Sophia Smith, la buteuse de l'équipe des États-Unis. Ballon de la surface, attention! États-Unis est capable de marquer un deuxième goal. Danger a toujours là. Passe en retrait. La passe de la surface. Récupération dans le camp paraguayen. La passe à droite. Intervention. Dégagement final de la défense paraguayenne. Le ballon refoulé dans le camp de l'équipe du Paraguay. Les Paraguayennes à l'attaque. Le ballon qui revient dans les pieds. 28 août 1999. Alors, on va faire publicité, non, mais on va publicité, non, mais on va écrire les conseils. Où qu'on est, le gars, on va petit bar là. Mandel Boulvin là. Sylvine là, ma petite. Il va passer le secours. Mandel Boulvin là. Un long dégagement. Les États-Unis en possession de la balle avec Sanchez. Sanchez Ashley, attention, danger, la passe. Deuxième goal, non. Pas de deuxième but, Jérôme Pierre. C'est dommage pour les États-Unis. Heureusement pour l'équipe du Paraguay. Oui. Où est son petit monde? Où est son petit bébé? Ça, où est son petit monde bébé? C'est une place à mon visage. Est-ce qu'on combat ou on veut dire? Est-ce que le combat a envie de dire? Autour, je souffre ou même. Non, c'est Coupe du Monde moins de 20 ans. Avec dit toutes ces timons. Autour, je souffre zéro. C'est Coupe du Monde. Pas faute, estime l'arbitre central. Le ballon au profit de l'équipe américaine repoussé par un pied paraguayen. Attention, la passe de la surface. On passe dans l'intervalle. Monsieur Dominique, depuis quelques temps là, Américain, prend jouet là pour vous. Oui, il prend jouet là, on a une équipe paraguayenne là. Il montre qu'on y a un moment ça, et puis réaliste. Il ouvre ma compte deuxième goal. Puisque on est à un goal là, il n'est pas à l'abri. Parce que jusqu'à présent là, son bon match de football n'a pas suivi là. Puisque l'équipe paraguayenne a tout, de temps en temps, la mettait danger dans la équipe américaine. C'est la 38e minute de jeu. Dominique, Jérôme Pierre. Un but à zéro pour les États-Unis qui est capable d'aggraver. Et manque là. Attention, oh là là! Goal! Non, non, c'est Savannah Debello qui inscrit deuxième goal. Alors, c'est Savannah Debello. Savannah Debello. Savannah. Oui, je bien dit. Alors, j'ai besoin de Savannah après Georgia. Problème Savannah. On revoit le but. Nous t'aider de Ogumela. Oui, Savannah, nous t'aider de Ogumela. Oui, oui, oui. Lorsqu'on sortit Maryland, on tombe dans North Carolina, South Carolina, on prend Georgia, après Georgia, on prend Savannah. Oui, un tir de Sophia Smith, repoussé. L'organisme mal contrôlé.
C'est ça, repoussé par la portière de l'équipe paraguayenne. C'est puis, ça, oui, au rebond. C'est ça, manqué, oui. Moi, il y a plusieurs goals comme ça, oui. Sandy Baltimore fait un goal comme ça dans le match de la France contre les Ghana. Mon frappe de Marie-Antoinette et Kakoto. Et puis, goalkeeper a repoussé, Sandy Baltimore fait goal. Là, son frappe deux au carré. Goalkeeper n'a pas capable de faire le ballon sec. Il repousse lui. Et puis voilà, Valguin, Savana et Demelo qui jouent le rebond, hein, il fait goal là. Alors, ce que dans le match à Haïti, monsieur, c'est qu'on frappe comme ça que tu fait. Nous battons le monde devant. Goalkeeper a repoussé là, axe défense lui, avant le monde qui arrive. Donc, c'est des petits détails parce que on a besoin de travail. Qui est important? Qui est important? Important parce que là, il faut que présence. Dès que l'équipe va attaquer, bon joueur ou bien un joueur qui va le shooter, qui shooter, sont au moins deux mouns, même la noire jeu. Oui, il faut toujours maintenant en tête gardien ou bien gardien n'a pas fait erreur. A pas fait erreur. C'est jouet lié. Ballon au profil. 2-0, belle option, hein, monsieur. Oui, une très bonne option. Attention, possibilité de troisième. Attention, le danger est toujours là. Contrôle la pas bon, effectivement, oui. Jérôme. Équipe américaine qui voulait tout faire. Et sélection paraguayenne, une longue balle en avant. Ballon qui sort en touche, rentrée de touche en faveur de l'équipe paraguayenne. Deuxième une joueuse de l'équipe. Deuxième but de ce match-là, qui, c'est Savana Demelo. Il gagne 20 ans au Rwanda. Là, je suis dans l'Olympique. Oui, mais il y a un Olympique, nous parlons. Bon, américain qui a tête, parce que là, ça, on est capable de toujours jouer dans le senior. Oui. Bon, américain qui a tête, semble touché. 2-0 pour l'équipe américaine, monsieur. Et pourtant, Paraguay, nous a montré nous depuis sous ça, dans le début du match à football. C'est la première minute match. Oui, américain, nous vient prendre match, non, mais il a dominé. Et j'en dis là, Jérôme, Dominique, vraiment pas gagné photo entre deux équipes sérieuses. Et l'équipe américaine, largement supérieure sélection paraguayenne, non? Nettement supérieure. Oui, nettement supérieure. États-Unis 2-0, mais ils étaient capables 3-0 au moins dans le match. On a l'écrasé pour Sophia Smith. Oui, ça, mais c'est Sophia Smith. C'est Sophia Smith qui fait frappe là. Et il marque le premier goal là, il est à l'origine du deuxième goal là. Oui, c'est la joueuse à suivre dans cette équipe américaine. Il était présenté comme une attraction 9e édition Coupe du Monde. Ça. C'est ça, c'est la 41e minute de jeu. Nous sommes à 3 minutes et quelques secondes de la fin du temps. Gardons louche, monsieur. Attention, Wadisse dans sa blanc, mais l'a joué. Mais ballon récupéré par la défense du Paraguay. En dégagement de Maria Veca. Ballon pour les Paraguayennes. Vous êtes sûr, la télévision nationale d'Haïti et la radio également. Ça peut faire mal. Et attention, une contre deux. L'embarqué de Mouno Croisel. Défense paraguayenne, ça a un problème. C'était une tentative de Ashley Sanchez. Voilà. Défense paraguayenne capable de monner là, capable de remettre monnaie. Trop croisé de Ashley Sanchez. Et ça passe à côté. Domination totale des Américaines qui a fait parler expérience. Qui a fait parler supériorité. Parce que tout comme le Nigeria, l'Allemagne et le Brésil. Américain, yo, pour jamais pas présent dans la phase finale Coupe du Monde, dans la catégorie ça. Donc, 9 éditions, yo, toujours là. Attention, ballon récupéré par les Américaines. La passe pour Ashley Sanchez, qui perd le ballon. Mais lui, retourné, contrôlé lui. La passe dans l'axe, exactement dans l'axe là. La passe de Villa Corta. On remet sur Laurel Ivory, qui dégage quand là. Coupe tête de deux. Maria Veca, ballon pour que j'aime sortir. À présent, dégagement fait dans la réception du numéro 4, Naomi Girma, qui jouait en profondeur. Ballon contre le sorti en touche. Touche pour les Américaines. La 43e minute de jeu. 2 pour États-Unis, 0 pour Paraguay. Attention, ballon dans le couloir. Tête de dribble réalisé par Erin Ebo. Ce sera une journée cauchemardesque pour les Paraguayens. La note est salée, madame, messieurs. 3-0. Nous sommes
à la première partie. Quel effort, la passe de Erin Gilroy. Voilà, passe bien dosée, plat du pied gauche, et puis la conclusion de Savannah Demelo. Est-ce que dans le doublé pour Savannah Demelo. Est-ce que dans la compétition, ce n'est pas la première mi-temps qui est plus prolifique, trois buts plus marqués, goal. Oui, qui gagne plus de goals. Et la France. La France a pu gagner un peu de goal. Mais en deuxième France, mi-temps, majorité de goals était fait. Et oui, c'était en deuxième mi-temps. Nous sommes à quelques secondes. Le match a compté pour un peu de goal. Et après la France, j'ai gagné l'Espagne. L'Espagne contre Paraguay qui finit 4-1. 4-1, oui. Vandal Gade pour nous aussi. 4-1, 3 goals en première mi-temps. 4-3 goals en première mi-temps. 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel. Doublé de. Paraguay, même j'ai avec Ghana, monsieur. Il y a les goals, Livin Brun. L'Espagne, il est déjà sur 3 là. Il semble avoir un goal toujours. Décalé la droite. Oui, bonne passe. Attention, le centre. Oh là là, 4-1 goal. Viviana Villacorta. Villacorta. Alors, au compte qui s'est américain, nous disait tout là. La question 3 pays qui a gagné 6 points. Hein? Mm-hmm. Différents goals là, important pile. Oui, elle a pété la lame, oui, papa. Oui, oui, oui. Il y a tout fou, n'est pas Paraguay là. On nous dit, on crasse petit ça. On pilon, n'est ni. 4 minutes de traditionnel, 3 pour les Américaines, 0 pour l'autre là. Attention à ce corner, sous deux filets. Remise en jeu pour les Paraguayennes, dépassées par les événements. Ils prennent première défaite contre l'Espagne, 4-1. Et dans la deuxième sortie, ils ont déjà encaissé 3 goals, 7 goals en 2 matchs. Il n'est pas loin, Ghana. Possibilité de but, Jérôme Pierre. Oui, ça peut faire mal. Elle peut centrer. Non, passe ratée. Elle voulait jouer en hauteur sur Ashley Sanchez. C'est pas fini. Regardez, puis il y a monsieur défense Paraguay. Heureusement pour eux, frappe ça en déséquilibre de première buteuse match là, Sophia Smith. Les pas de force assez. Attention, intervention au sein de la défense des États-Unis. Ballon à gauche, contrôlé et par et Kiara Piquet. Kiara Piquet et fait passe là. Kiara Piquet, des ballons encore. Les remettre les en défense pour Naomi Girma. Naomi Girma, non, c'était pas elle. C'était de préférence Samantha Yat. Samantha Yat, comme je comme arrière centrale droite au sein de la défense. Et de l'équipe américaine. Entre temps, l'équipe paraguayenne a sorti avec le numéro 17. On a parlé de Diana Bogani, Diana Bogarin. Elle perd le ballon, mais c'est une touche à présent. Oui. Un peu désolé de Jessica Martinez. Oui. 3 pour les États-Unis, 0 pour le Paraguay. 3 goals en première mi-temps. Ça passe que nous avons dit ça, mais nous prenons. Je suis très calme. Nous déjà prenons. Oui. 3-0. 3-0. Attention, ballon jeu de la tête. On coup de tête à partir du couloir gauche là. Ballon pour l'équipe du Paraguay. Ils ont échoué dans la défense là. Mais n'empêche que ils ont toujours un ballon. Hein. Mesdames Paraguay n'ont pas attaqué. Passe imprécise. Dégagement au sein de la défense des États-Unis. Tentative de sombrero. Le sombrero pour le perdu. Dégagement de la défense paraguayenne. Dégagement. Bon bing bang pour le moment. Mettez matin. Tentative, ça passe largement à côté. Ce sera une remise en jeu pour les États-Unis. Nous sommes à quelques secondes du coup sifflet final de la première partie. Dominé largement par les États-Unis. Le dégagement de Laurel Ivory. Ballon récupéré par les Paraguayennes. Est-ce qu'il y a faute? Non. La mission traverse de Cotano. Racine carré. Yoril Saboy, allez-vous-en. De Fabiola Sandoval. Ballon perdu. Il manque sérénité. Il manque cohésion dans ligne d'attaque. Sinon, je conseille à couiller nous net. Ballon pour Erin Gilroy. La passe en retrait. Réception. Ok, c'est pas fini, le danger est toujours là. Ballon contrôlé par Sophia Smith. C'est la fin. Et au moment où nous parlons,
L'arbitre central met fin à la première partie. On a la première buteuse à l'écran. Elle répond au nom de Sophia Smith. Et puis un doublé de Savannah Temelo. Ouais, très bonne prestation. Très bonne et très belle prestation de l'équipe américaine, monsieur. À la hauteur de 45 minutes, on marque 3 goals la donne. Il y a une raison qui fait l'équipe américaine pousser comme ça dans le match. Jérôme, pas bien que vous avez perdu contre le Japon. Et Jodia, vous voulez racheter. Vous avez fait surprise. Oui, vous voulez racheter. Et c'est une raison qui fait pousser dans le match. Jodia. Et malgré ses premiers mi-temps en Cap-Jouet, mais ça n'a pas empêché que vous déjà marqué 3 goals. Et vous pouvez manquer 2 autres goals. Nous espérons ça, puisque l'équipe américaine. Là, Yo paré pour yo tout fait. Nous sommes dit tout à l'heure. Yo paré pour yo tout fait qui paraguay. Paraguay est attendu. Mbappé Monti m'a d'abord mis en place entraîneur paraguay. L'offre 3 goals à la mi-temps. Et bon, il est vrai que c'est une dame. Bon, faut que toujours Epifania Benitez. Alors faut que toujours 10 joueurs ou bien joueuses ou mais jusqu'au bout. Mais 3 goals pour aller réduire car marquer en deuxième. Et puis au troisième, bon, un peu difficile. Même temps, 56% de possession de balle contre 44. Américaine, ils ont fait 12 tirs contre 5 pour Paraguay. Ils ont joué 6 corners contre 0 pour Paraguay. Et gagné 3 goals. Et au tapal de Bagala, et si vous êtes entraîneur, au tap dit à l'équipe paraguayenne, eh bien, monsieur, était concentré ou bien jouons de l'autre façon. Mais écoutez, il faut gagner une ressource. Est-ce que vous avez une ressource pour ça? Oui, ça est important. Élément yo, bon, c'est entraîneur qu'on est yo, qui coûte 4 li capable de faire là. Dans deuxième mi-temps, match à football, ça, avec une équipe américaine très, très, très motivée. Parce que y a une situation compliquée pour l'équipe en Paraguay, là. Et qui est Asuncion là, et puisque défaite, y a là, Abdil, allez la caille. Oui, y a éliminé, et y a déjà encaissé un pile goal. L'essentiel, c'est pas continuer pour un goal, c'est ça qui est le plus important. Et entraîneur capable tout de même, et parler avec joueur. Montrer un intérêt pour consolider défense là et empêcher que yo prend plus goal que ça. Yo pas capable de remonter au score face aux États-Unis. Yo déjà encaissé. Yo capable limiter les dégâts. Yo capable limiter les dégâts. Alors Dominique dit ce vol qui coûte 4 et 7 pour la couper là, c'est Dominique. Voilà, madame, monsieur, 3-0 dans le match football ça entre les États-Unis et le Paraguay. C'est un doublé de Savannah Temelo et puis premier goal match c'est Sophia Smith qui t'a manqué. Nous sommes à la mi-temps, nous avons observé pause là. Compétition ça, madame, monsieur, les supportés sous RTNH par Euroceram et ICDH. Il place toujours, on met Vini, on a besoin pour oreilles et pour yeux. Ça, c'est une promesse que nous avons qu'imbé. Nous proposons de tourner pour d'autres commentaires à la mi-temps. À tout à l'heure. Voilà pour 16 matchs, nous déjà à 43 goals. Il était 40 pour 15 matchs et à présent, États-Unis a mené 3 goals à 0 sous équipe Paraguay. Ça fait 43 goals pour 16 matchs. C'est une compétition qui gagne en pile goal très prolifique. Tu l'as dit, grâce à Antoine. Donc, États-Unis qui t'ai fait un faux pas si nous capables de parler comme ça contre le Japon. Et États-Unis, dans la deuxième sortie contre le Paraguay. Paraguay qui montre que c'est l'équipe qui est plus faible. Tout dans le groupe 6 ça, et bien États-Unis à la mi-temps a mené par 3 goals à 0. Premier goal match là, c'est Sophia Smith qui marque lui et par la suite pour le gagner un doublé de Savannah Temelo. Qui Jean Dominique t'a essayé faire approche là, qui comportement équipe paraguayenne n'a pas gagné face à machine américaine ça. 3 goals à la mi-temps, ou capable de dire carrément son machine, parce qu'il est capable de faire ce qu'on a seulement dans une mi-temps. Est-ce que coach sélectionneuse équipe du Paraguay pral dit tête li en limiter les dégâts? Autrement dit, est-ce que pral dit tête li tout, quitte moi prend 3, m'a perdu, quitte moi prend 5, m'a perdu, on joue tout fond mal nous pour nous au moins pas perdu son score, non seulement large, mais à zéro également.
Nous prenons le temps de réaction équipe paraguayen en seconde mi-temps pour nous voir qui visage libre le banon, n'est-ce pas, Fritzner Dominique. Alors, on va vous dire tout à l'heure qui est important, c'est l'élément. Qui élément vous gagnez? Est-ce que vous pas limité? Est-ce que Jean Abjoua là, c'est pas conseil? Ça, vous là, c'est une équipe limitée. Évidemment. Et bon, est-ce que vous avez un monde qui a fait différence là? Bon, nous pas tape souvent. Parce que l'entraîneur. Ça arrive, il y a deux qui montent, une qui monte, oui. Le plus souvent, dans 11 que entre choisissant, d'après les les supposés, c'est 11 qui la seule différence, c'est secteur qui gagne plus faille, là, c'est en défense, puisque il encaisse 3 goals. Il est capable tout de même rentrer une ou deux joueuses pour colmater les brèches, j'en dis là. Et ceci, joueuses, ça, ils ont monté Jérôme Pierre, ils ont pris beaucoup plus fraîche, et pour avec fraîcheur, ça, qu'il y a pour eux, pour oui, pour il y a capable d'aider l'équipe paraguayenne. Et te dit le tantôt, et faut que yo capable limiter les dégâts, yo capable limiter les dégâts parce que les États-Unis déjà mené 3-0 et dans deuxième mi-temps, c'est vrai, souffert un goal, deux goals, ou capable sauver l'honneur, mais pendant qu'on va chercher, you know, deux goals face aux États-Unis, yo capable boire 3-4-5. Soit après ou même grâce à ça, ou pour le chercher, ou bien après, non, du tout pas. Ça m'a fait c'est renforcer défense moins, renforcer mi temps terrain et éviter les dégâts. Bon, moi je pense perdu jeudi à Paraguay éliminé. Oui, bon, moi c'est oui. Et nous mettons attendre monsieur 15 premières minutes. Alors pour ça me courir dire éliminé c'est par rapport à quantité de goal la prend. Oui, évidemment, 0 point et vous prenez tout goal ça. Alors attendre nous monsieur 15 premières minutes, nous voir l'équipe paraguayenne qui va le pousser. Point. Oui, pour nous être capable au moins de réduire le là, espérer ma deuxième goal. L'éliminer, Paraguay éliminé. Non, Paraguay éliminé. Éliminé la compétition avec toute quantité de goals. En attendant 47 minutes qu'il vient là, pour le moment, Paraguay éliminé. Oui, pas vraiment dans ça. Alors, on va vous dire là, dans le volume goal qu'il marqué dans la compétition, ça qui a fait nous satisfaire, nous-mêmes étant haïtiens, nous contribuer. Non, vous voulez me tout parce qu'Haïti m'a congolé. Oui, non seulement nous contribuer, nous marquer goal, mais nous pas encaisser en pile tout. Ça veut dire nous pas parmi équipe qui prend pile goal. Nous pas Paraguay dans un seul mi-temps qui prend trois goals. Oui, nous pas Ghana, nous pas Paraguay. S'il est vrai que c'est pas même adversaire, yo. Fontaine compte du ça. Oui, nous d'accord, oui, nous d'accord. C'est l'homme joué avec États-Unis, Jean ou États-Unis là, ou c'est pas Nigeria. Même si Jérôme, je ne suis pas d'accord avant, même l'équipe américaine, ça nous a affronté dans l'éliminatoire, il n'y a pas oublié que nous sortons dans la même zone. Oui. Il était seulement, nous avons un goal, nous avons égalisé et c'est dans l'ancien shoot penalty que nous avons qualifié pour la Coupe du Monde. Un bon rappel ça. Oui, un bon rappel. Important. Donc voilà, monsieur, ce qu'on a lancé 3-0 et Paraguay, nous avons fait considération. C'est vrai que tu as supposé pousser question pour y aller chercher goal tout dans la compétition parce que il y a un seul goal contre l'Espagne et au déjà sous 7. Qui ça entre nous là en a fait jeu égal de façon à ce que nous réduisons le score 3-1, 3-2, voire égalisé à 3-3. Nous ne sommes pas encore là. États-Unis n'a pas pris le score là, mais 3-0. Maintenant, le plus souvent, lorsque on coach fait décision, vient avec un 11, dans la tête, c'est 11 qui est bon. C'est vrai que, entre nous, là, quand on fait une erreur, sous un joueur ou bien une joueuse, que les pensées que papa a rendement, c'est le cas de Sandy Baltimore pour la France, qui était réserviste. Cependant, dans le deuxième match, la France, contre la Nouvelle-Zélande, démarrer avec Sandy Baltimore. Et coach là, tu es satisfait de prestations. Ouais. Et Baltimore, tu es justifié. Confiance à que coach a été là. Si on en Wissi, Didier Deschamps a commencé Coupe du Monde là avec Dembélé, par la suite, il vient avec Giroud. Pas parce que Giroud a marqué goal dans Coupe du Monde là, parce que son buteur, mais c'est apport satisfaction. Il joue avec Giroud. Deuxième cas de figure, gagne entraîneur Marcola, qui a quitté Whitney Mathurin sous ban dans le premier match là, et dans le deuxième Whitney Mathurin. Alors que, et joueuse qu'elle t'a démarré avant, c'est pas le choix idéal. Ça qu'on arrive que l'entraîneur a trompé sur une ou deux cas, et ça permet que l'autre monde trompe autour, et puis par la suite, et correction potée, et puis par exemple, Garcia Antoine dans le cas allemand, il a critiqué Joachim Löw par le fait qu'il parle venir avec le Wassani.
dans la Coupe du Monde là. Oui, toujours gagné un genre de critique ça sous choix joueur au niveau sélection. Et ça fait le plus souvent qu'on n'est pas en pile entre entraîneur et bureau fédéral là. Oui. Bureau fédéral là, il dit tel joueur t'a remis l'in en sélection, mais entraîneur lui-même, c'est lui-même qui gagne groupe là en meni, c'est lui-même qui dit bon moi-même mes 23 moun moins vle ya. On va s'en douler. Alors, l'autre type, moi, tout, monsieur, nous, qu'a metté, dans question choix, 11 moun cap de marée, yo. Ça, qu'on arrive, ou 10 mais 11 moun cap de marée, et puis, à la dernière seconde, gagne ou n'a d'autres problèmes. Oui. Là, on va pas choix, obligé de remplacer. Obligé de remplacer. Mais, moun, ça, ou qu'on est dans tout, c'est bon, lui, cap fait. Mais, à la dernière seconde, ou remplacer, moun, ça. En tout cas, moi, j'apprécie la performance des États-Unis. Le pourquoi? C'est un bagaille. L'homme m'a dit là, l'offine tombé, ou estimez que vous tombez, ou analysez chaque fois tombé, et puis où saisissez-vous. Clair, clair. C'est le cas des États-Unis. C'est pas même sac là, je dis à son sac 18 mamites, qui n'en met pas américaine là. Est-ce que la brève l'île? Brève l'île? Est-ce que la brève l'île 18 mamites? Oh, sac 18 mamites, non, mon. A faut régler. A grand pile gol. Et pas 16 mamites, non, gars. Nous partis, monsieur, vous deuxième oui, mi-temps. Nous partis pour deuxième mi-temps match là, entre américaine et paraguayenne. Vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti. On a rappelé que match 3 goals à 0. C'est le premier goal là marqué par Sophia Smith. Par la suite, on a doublé de Savannah Temelo pour les États-Unis. Unis, attaque des Paraguayennes, pas pour longtemps, ballon récupéré par les Américaines. On remet sur Laurel Ivory, la relance de Laurel Ivory pour la tête d'une joueuse paraguayenne. Les Américaines récupèrent le ballon, elle joue en profondeur, ballon décalé dans le couloir, accélération pour concentrer, faire la hauteur qu'on a. Ça couche à nous faire dire tantôt, monsieur, vraiment pas gagné photo entre deux équipes, les États-Unis qui paraît pour humilier, oui, le jour et la nuit. Et si nous avons ajouté plus que le jour et la nuit, on n'a pas ajouté 4 à 0 pour les États-Unis, deux match facile avec un début de deuxième mi-temps et que les Américains ont bien commencé avec passe en haut que ça de Smith. Sophia Smith. Oui, pour Ashley Sanchez qui inscrit 4e goal l'équipe américaine. Ouais, double passeuse, messieurs, dans le coup de la buteuse et double passe de Sophia Smith. Et c'est comme un gros match. Et c'est Ashley Sanchez qui a marqué 4e goal là pour les États-Unis. Donc, voilà comment c'est compliqué là. Ça nous rentre dans la question festival qu'on y a là. Dès que vous êtes capable de ces 4 goals, et bien, voilà pourquoi vous semblez le film. Non, grâce à Antoine. Attention, contre-attaque des Américaines. La passe, dommage. Passe à dévier. La joigne Isabelle Ortiz, la gardienne de l'équipe du Paraguay. Le dégagement de Isabelle Ortiz. Côté traité des deux côtés. Ballon pour les Américaines. La réception de Piquette. Ballon perdu. Contrôlé par les Paraguayennes. Contrôle manqué. Américaine, nous prenons l'attaquer là. Est-ce qu'il y a une faute? Mais non. Et oui, Amé Central estime qu'il y a une faute sur Sophia Smith. Sophia Smith qui a joué un bon match. Sophia Smith, le numéro 9 de l'équipe américaine. C'est lui-même le nom de qui gagne 17 ans. Ou capable de toujours poser toutes questions. Garde son petit monde 17 ans à faire. Mais qui t'en joue? Eh bien, Melchidel Dumoné, l'équipe Poco même gagne 15 ans même. Oui, le Poco. Puisque, alors, la gagne 15 ans, Anissa, comme moi, l'Ipoco arrive pour le gagne 15 ans. L'Ipoco gagne, c'est une étoile football haïtien, Melchi, Daniel Dumoné. Tu vas pas que ça grâce à Antoine, il y a enjeu. Enjeu sur Sophia Smith, signalé par l'une des arbitres assistants. Alors, Paraguay là qui est dépassé par les événements. Oui, 8 goals, ils joignent les Ghana. Ils viennent Ghana, 4 dans l'Espagne, 4 dans les États-Unis, ça fait 8 goals. Ghana lui-même prend 8 tours, déjà. Donc, c'est deux plus mauvaises défenses dans la Coupe du Monde.
Ballon récupéré par les Américaines. Le dégagement de Laurel Ivory. Ballon au sein de la défense des Américaines. Passe en retrait. Yo joué en dedans. Bonne circulation de balle. Ballon dans le couloir pour le numéro 13. Kiara Piquet. Ballon contré. Américaine de toujours Gaël. Kiara Piquet. Kiara Piquet. La passe. Gardon de marquage. Bon bagaille. Bon bagaille. Kamabon 5-0 là. Kamabon 5-0 mais non. Portière équipe paraguayenne sauvée. Elle a évité le pire. Alors, et parce que équipe. Et parce que joueuse américaine a Alfe Solo, oui. Oui, Alfe Solo. S'il fait passe en retrait à Gaulle, oui. Oui, clair. S'il fait passe là après Gaulle, changement. Rosamino sorti. Rosamino sorti. Rosa Mino, c'est un mi-temps terrain. Voilà, il sorti. Et c'est un défenseur qui rentre. Pour ceux qui ont voulu limiter les dégâts, possibilité de cinquième but. Est-ce qu'il y a une faute? Célestin Aguirre. Ok. Célestin qui est rentré dans le match pour le Paraguay. Alors, c'est Céleste Aguilera. 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 Très bien. Aguilera, Céleste. Nous connaissons que Céleste lancé pour. C'est pour Gaz Dominique. De Uruguay. Oui, Uruguay. Céleste pour l'Argentine. Oui, Céleste. Albi Céleste pour l'Argentine. Albi Céleste pour l'Argentine. Céleste pour l'Uruguay. Et c'est Aguilera Céleste qui rentre dans le match là. Grâce à Antoine, 4-0 pour les États-Unis. On se va attaquer ça. Pas de goal. Pas de goal parce que l'équipe est trop excentrée avec ballon. Le danger est toujours là, mais on tire les ententes. Entre confusion. Deux joueuses, oui, deux joueuses américaines, mais n'empêche que y a un ballon américain, yo, la passe à gauche, attention, gardons boulevard, monsieur, passe en retrait de Gilroy, attention, pénétration, dégagement final, danger toujours là, ouverture à droite, la gardons réception, monsieur, intérieur pied droite, le centre, bon bagaille, ouais. Bon bagaille, dégagement, gardons problème, monsieur, pour Paraguay, ça que tu dis pas, revenir la gueule là, attention, vous avez pétrissé, monsieur, y a tout fourné, il y a mal mené ou pas qu'arrive au côté pour jouer pas jouer monsieur Gomba il m'a dit là et américain il a démenti moi oui attention Gilroy il m'a mis des poissons Gilroy ballon pour que j'aime sortir Gilroy danger éclaté même toujours là attention frappe l'enfer trop bol dédi nous voilà. C'est un boucher donc, avec Paraguay là. Ah oui. Oui, ballon au profit de l'équipe américaine. Le ballon qui sort en touche-touche en faveur de la sélection paraguayenne. N'a poursuivre attaque ça de la sélection américaine. Mais intervention de la portière de cette sélection paraguayenne, Isabelle Ortiz Caniza. Rentrée de touche avec Maria Martinez Veca. Cette équipe américaine, le corner en faveur de l'équipe étoilée, en faveur de l'équipe américaine. Il y a un pile joueuse dans surface réparation, score à 4-0. Et c'est là, équipe américaine qui a attaqué. Il voulait marquer un cinquième goal. Attention, danger écarté. Dégagement, ballon au profit de l'équipe américaine. La passe de l'axe à l'entrée de 16 mètres, le ballon de la surface, attention, ballon repoussé, le rebond pour Ashley Smith, l'une des buteuses, la passe en avant en direction de Gilroy, ballon en retrait, non, ballon en contrée de préférence, les sorties en touche, rentrée de touche en faveur de l'équipe américaine avec Gilroy Lerin. Ballon au profit de l'équipe américaine. Le centre, ballon repoussé par la défense paraguayenne. Le rebond au profit de l'équipe du Paraguay. L'équipe paraguayenne en grand danger face à l'ogre américaine. Équipe ça qui de très souvent marqué un pile goal. Et équipe féminine ça un pile fois marqué un pile goal. Équipe féminine américaine non. La passe en avant. C'est ça, le ballon. 9% pour l'équipe américaine. C'est ça. Ballon de à l'entrée des 16 mètres. Attention, possibilité de but, passe en retrait, tir raté, le rebond pour Américaine. Attention,
passe en retrait, mais c'est un Paraguayen qui pourra le dégager. Le rebond, non. Est-ce que tu as gagné une faute sous portière équipe américaine? Est-ce que tu as gagné une faute, Jérôme Pierre, Dominique Frisner, auditeur et téléspectateur? On a poursuivre, tir de loin, mais ballon a été contré. Jalen Howell. Ballon au profit de l'équipe américaine. La passe à gauche en direction de Ashley. La passe en avant. Récupération de la défense paraguayenne. La passe, mais ballon perdu. Équipe américaine qui peut le récupérer. Non, paraguayenne conservé avec Jessica Martinez Villagra. Ballon au pied, mais bon marquage du côté des Américains. Est-ce qu'il y a une faute sur la joueuse de l'équipe paraguayenne, Jessica Martinez? Ou du moins, est-ce que tu as une faute sur la joueuse de l'équipe américaine? Le ballon au milieu du terrain, l'équipe américaine en possession de la balle. La longue passe sur le côté gauche. Les Américaines à l'attaque, mais ballon en l'icontré. Essayons une rentrée de touche en faveur de l'équipe américaine. 4-0 en faveur de cette sélection américaine. L'équipe est étoilée. Les États-Unis est triple vainqueur de cette compétition. Ballon qui sortit en touche, notre de touche en faveur de l'équipe américaine. Américaine, yo, Christian Dominique, qui voulait inscrire l'autre goal, justement, pour yo retourner dans la compétition, puisque yo t'es perdu premier match contre le Japon. Oui, il y a assuré yo qu'avec un victoire, ça, et surtout avec un pile goal, que yo capable de qualifier pour deuxième phase en compétition, ça. On rappelle, les États-Unis, c'est un gros potentat et championnat, ça, 9 participations. Et remporté le 3 fois déjà. Et le coup franc exécuté, attention, mais c'est à côté. Oui, et le coup franc. Oui, suivez-vous. C'est 4-4. Nous, chacun, tous les deux, 4 goals. Moi-même, 4-0 toujours. Oui, ballon au profit de l'équipe paraguayenne. La passe, Wiggins passe. Aller à gauche, non. Il n'est pas allé à gauche. Américain, il a récupéré. Là, c'est Smith, Sophia Smith, balle au pied. Attention, non, c'est Ashley Sanchez, dribble réussi. Attention, possibilité de but, non. Ballon qui flâne dans la surface préparation. Mais Sophia Smith, pas de gain, un pied américain. Oui, là c'est Sophia Smith. La passe en avant de Smith, en direction du 210, Savannah Demelo. Ballon perdu, équipe paraguayenne a récupéré, non. Américain, il a reprendre ballon de la défense américaine avec Naomi. La passe en avant, l'équipe américaine à droite, bon ballon, la passe en avant, mais c'est pour la défense paraguayenne avec la portière Isabelle Caniza qui déjà encaissé 8 goals dans la compétition, 4 contre l'Espagne, 4 contre l'équipe américaine. Toujours. 4 en attendant, oui, toujours. Ballon au profit de l'équipe paraguayenne. Ballon au niveau du cercle central. La passe en avant, oui, bonne déviation. Les paraguayennes à l'attaque. 5-6 joueuses américaines à défendre pour le moment. Ballon en avant, oui, bonne réception. Non, récupération de la défense américaine. Ballon dégagé en avant. C'est la défense paraguayenne qui récupère. Bon ballon pour le Paraguay. Paraguay à l'attaque. Ballon à droite. Ballon à l'entrée des 16 mètres. Repoussé par un pied américain. Et ballon à l'île sorti en touche. Rentrée de touche en faveur de l'équipe du Paraguay. Ballon dégagé par Mark Kieran. La rentrée touche du côté de l'équipe paraguayenne. L'équipe paraguayenne à l'attaque. Le centre contré. Essayons corner en faveur de l'équipe
en faveur de l'équipe du Paraguay. Pendant dernière seconde, là, c'est Paraguay qui a attaqué. Ils voulaient limiter les dégâts. Et une raison pour limiter les dégâts, faut qu'on attaque. Ils voulaient attaquer l'équipe américaine. Yon corner de la droite vers la gauche. Le ballon de la surface repoussé par une tête américaine. Le rebond, c'est pour l'équipe paraguayenne. Joueuse là qui voulait rentrer le plus mais ballon n'a pas sorti. L'hip-hop sorti, bien au pied et qui dégage l'y en avant. Paraguayenne qui récupère la passe à droite. L'équipe du Paraguay dans le territoire de la sélection américaine. Bon ballon, déviation à droite. Paraguayenne qui cap attaqué, attention. Yo capable jouer. Américaine lui empêché au jouer. Yo capable de jouer. Yo font action là. Ou est-ce que yo capable jouer? Non, il va depuis quand. Et sous l'Amérique, il y a deux. Mais pas oublier qu'il y a joué avec une puissance mondiale, oui. Les États-Unis. États-Unis parmi les trois meilleurs au monde dans le football féminin. Hein. États-Unis qui est d'habitude de dominer, même Jean l'Allemagne fait, même Jean la Suède fait. L'équipe ça a dominé le football féminin, hein. Toutes catégories confondues. Et changement du côté de l'équipe américaine. La sortie numéro 19. Irwin Gilroy. Oui. Gilroy qui sort et c'est la numéro 8. Il entre dans le match. Brianna Pinto. Oui. Deuxième changement dans le camp de l'équipe américaine. Ashley Sanchez cède sa place à la numéro 17, Kim. Abigail Kim. Toujours dans le camp de l'équipe américaine. Les États-Unis qui mènent par 4 buts à 0 au départ des Paraguayennes. Un changement du côté de l'équipe du Paraguay également. C'est Jessica Sanchez qui cède sa place à la numéro 11, Chamorro. États-Unis, qui avait joué. États-Unis a dit nos côtés de la Kimza. Oui. Même Jean, la France vient pour lui répondre à la question. Ça, qui côté jouer avec les joueurs yo. La France champion du monde ici, monsieur, avec des joueurs d'origine africaine. 4-0 pour l'équipe américaine, non, monsieur. Ils ont un deuxième mi-temps tout à fait compliqué là pour Paraguay, yo, puisque, bon, moi-même, bah, côté voile passer là, pour autant, faire au moins un nul dans le match à football, ça. En tout cas, n'a pas suivi un reste minute, yo, pour nous voir le comportement équipe en Paraguay, non. Yo, équipe paraguayenne, nous senti qui limité par rapport à jeunes américaines. Alors, on a salué staff en fondation Bessandioye en Sauvé Haïti, qui fait nos signes que au branché là. Et bien, on a salué tout le monde, Saint-Michel, de la Talaye, tout le monde, en Fond des Nègres, tout le monde, à Quin, qui connecté à la télévision nationale d'Haïti. Dans 5 mètres 50. Oui, oui, dans 5 mètres 50. Rentrer de touche, côté paraguayen. Attention, ballon repoussé du pied. La défense américaine qui récupère, dégagement en avant. Les américaines avec Demelo. Passe en retrait, ballon au niveau du cercle central. Oui, bon ballon, cinquième goal, et goal! Sofia Smith, goal! Goal, 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 goal! 5 buts à 0 en faveur de l'équipe américaine. Doublé de Sofia Smith. Oui, un bon opportuniste. Nous sommes capables de dire ça puisque il était bien placé pour recevoir passe là. Il montre qu'on fait goal, papa. Oui, ça c'est clair. Cinquième goal inscrit par Sofia Smith. Voilà la passe à Jérôme Pierre, Frisner Dominique. Une belle passe de Viviana Villacorta. C'est ça. Et puis Smith, qui est portier à l'issortie, lui éviter en quelque sorte sortie portier là pour le mettre ballon au fond des filets. 5 buts à 0 en faveur de l'équipe américaine. Fondi, c'est match qui, alors, c'est match qui est plus prolifique. Il y a 5 goals déjà dans un match, mais c'est l'équipe qui marquait plus de goals dans un match déjà, monsieur. Équipe américaine, dans 5 buts inscrits face à l'équipe paraguayenne. Attention, possibilité
profiter d'un sixième but. Ballon à Caljoune Portière, équipe américaine, alors Portière, équipe paraguayenne, Isabelle Caniza à la relance du pied. Équipe paraguayenne qui prend le gain possession ballon, c'est ça. Paraguayenne cap attaqué, américaine reprend la passe en retrait, ballon de la défense, gagne espace. Et c'est une raison qui fait que joueuse dans lui-même, lui replie en défense, la passe en avant, américaine à gauche, bon ballon, Demelo, Demelo la faute, la faute, Demelo. Faute carton jaune. Oui, carton jaune. Numéro 19. Oui, pour la joueuse, carton jaune pour la joueuse de l'équipe paraguayenne. Oui, Aguilera, qui a écopé de ce carton. À peine entré en jeu. Oui, rentré en cours de jeu. Oui, et c'est pour ça qu'elle est venue, c'était pour venir défendre. Et là, on va défendre comme ça, on va faire faute, on va prendre un carton, 5 buts à 0 pour l'équipe américaine de Jérôme. Possibilité pour yo aggraver ce score-là, puisque c'est un match qui paraît facile, très oui. Facile pour l'équipe américaine. Très facile, moi d'accord. Entre-temps, je suis capable déjà à seulement 65 minutes de jeu. Pour deux dans le deuxième mi-temps, c'est-à-dire son match facile, nous tombons dans un véritable et festival et nous sommes capables de prendre un score tennis là. Il faut que nous voyons ça qui va passer sous coup français sur le ballon. On a le numéro 10, Savannah Demelo, qui encore qui est soif et pour coup français. Là, l'équipe américaine mène pas 5 buts à 0. Il fait combinaison 1, ballon repoussé, deuxième balle pour l'équipe américaine qui met pas 5 buts en 0. Sophia Smith fait un doublé dans 5 goals ça, tout comme Savannah Demelo. Et puis c'est Ashley Sanchez qui marquait une goal. Deux doublés dans le match là. Attention, ballon en retrait. La passe donc de Viviana Villacorta. Il y a allé à droite Kounia. Passe donc déviation instantanée. La pièce est arrivée, mais non. Il n'est pas bien arrivé Abigail Kim. Abigail Kim qui a peine entré dans le jouet là. Abigail Kim gagne 17 ans, alors gagne 20 ans. Kounia. Abigail Kim gagne 20 ans. Voilà mes passes là. Dans l'axe là. Et puis, comme à l'entraînement, Sophia Smith pral marquer en deuxième goal personnel. C'est meilleur joueuse match à Jérôme. Il était à l'origine goal, premier goal de Meloa. Ouais. Passeuse dans une autre goal. Il est double buteuse. Et Sophia Smith qui a fait un bon match face à l'équipe paraguayenne. The woman of the game. Attention, passe en retrait pour Isabelle Ortiz. Isabelle Ortiz va pouvoir relancer le jeu. Elle prend son élan. La relance de Isabelle Ortiz. Ballon dégagé de la tête. Deuxième balle convoitée par une joueuse américaine. Il s'agit de Sophia Smith. La passe danger. C'est une sortie de but. Indique l'arbitre central, la chinoise Qin Liang. Sophia Smith qui tentait deux shoots. Alors deux goals en deux matchs. Deux goals en deux matchs. Elle n'avait pas marqué contre le Japon, puisque le Japon avait battu les États-Unis par un but à zéro. Attention, mauvaise relance de Isabelle Ortiz. Heureusement pour lui, ballon tombé dans la tête en joueuse américaine. Ça qui fait que les jeux ballon assez facile. Isabelle Ortiz qui gon misé la passe là. L'on capable de goalkeeper. Et puis vire retourner au ballon filé. À chercher ballon. On va comprendre comment miser en pile. En tout cas, salut tout le monde qui branche un peu partout à travers le pays. Nos amis du côté de Solino. Attention, la talonnade manquée par Sophia Smith. Et c'est une joueur, c'est une joueuse. C'est une joueuse à surveiller. Attention, la déviation de la tête. Deuxième balle pour les paraguayennes. Joueuse paraguayenne qui a monté balle au pied. La passe à gauche. Attention, accélération. Il est capable de faire affaire sur l'action. Ça, tirage de maillot. Et elle conserve le ballon. N'a pas justement de nouvelles venues en lice. Chamorro, ballon perdu. Deuxième balle pour les américaines. Et c'est une sortie de touche. Kim pour les paraguayennes.
Alors Paraguay, monsieur, j'ai l'impression depuis après, évidemment. Et c'est vrai, on parle de sélection senior paraguayenne. Oui, Dominique, il y a une baisse de régime au niveau du football paraguayen. Mais au niveau du football féminin, c'est au jour le jour, on a fait de découvertes. Par exemple, c'est après 2010, nous sommes capables de dire qu'il y a une sélection de jeunes qui est en préparation pour nous en Haïti. Et Coupe du Monde, ça a commencé en 2002. Et c'est à partir de là qu'il y a deux pays qui ont mis de sélection au niveau des moins de 20 ans sur pied. Contre-attaque, attention, Abigail Kim, Abigail Kim. Pour dire que nous sommes sur là. Oulala, oui, Sophia Smith. Il passait tout près pour te marquer un troisième Sophia goal personnel. Sophia Smith n'a pas marqué sur cette action. Un bon facile, service facile de Abigail Kim. Le ballon a pris Sophia Smith qui fait un pointu. Ballon prend entre semelle et pointu. Ça qui fait que les passés dehors, possibilité ratée pour les Américaines. Attention, ballon récupéré par les Américaines. Gardons misère, messieurs. On joue dans l'axe. Bon placement cette fois-ci. Et Paraguayen, il y a un ballon. Intervention. Paraguayen n'a pas même qu'à sortir, messieurs. Gardons misère. Ballon donc. Et pour Piquette, Chiara Piquette, la passe en retrait. Le centre instantané. Attention, mais il y a Abigail Kim qui t'a privé. Monsieur, semble-t-il, et qui peut-être fait faute, et dans ça que nous là, Abigail Kim, entrée en coup de jeu, on joue la 70e minute de jeu, 7 pour États-Unis contre 0 pour l'autre équipe là, entre temps donc, 5 goals à 0, ballon pour, et bien 2 doublés dans le match là, un doublé de Sophia Smith, un autre doublé réalisé par Savannah Demelo, et la quatrième buteuse de l'équipe américaine, elle répond au nom de Ashley Sanchez. Attention, l'équipe en souterrain, Ashley Sanchez, elle est remplacée par Brianna et Brianna et Pinto. Attention, ballon pour les Paraguayennes, elle conserve le ballon, le numéro 10, la parole de Jessica Martinez, il était gagné de Jessica Sanchez sortie, remplacée par Elise Chamorro. Ballon pour les Américaines, la passe du numéro 4, Naomi Girma. On joue dans l'axe de la défense, on écarte un peu à droite vers le numéro 13, et Chiara Piquette qui joue latéralement le contrôle, et il prend ballon en pile sans que pas de faute, et son ballon se tient touche pour l'équipe américaine, 7 pour États-Unis, 0 pour Paraguay. Nous sommes en France pour le mondial féminin des moins de 20 ans. Attention, Sophia Smith, c'est 6e goal. Non, la joueuse qui est allée dans le camp, qui repoussait, et 6e goal ça. Donc la fini, nous sommes en route, nous prenons 5 lits, puisque l'équipe paraguayenne n'est pas capable de faire où le compresseur ça, où le compresseur que la sélection américaine a passé sous lien pour diable, pour l'équipe paraguayenne. On va faire sortir le numéro 9, en l'occurrence Sophia Smith, auteur d'un doublé. Oui, Sophia Smith qui a joué un excellent match, non seulement fait deux goals, mais fait passe décisive, double buteuse et passeuse dans cette rencontre. Voilà, elle sera remplacée par le numéro 6 qui répond au nom de Penelope Hawking. Public là qui ovationne Smith, oui, pour qualité match que le fait. Hein? C'est mérité. Oui. Mérité. Et pour c'est vraiment, ils pas capable de répondre à qualité technique et puissance équipe américaine. On touche pas le fait par Chiara Piquette, les fait touche là. Chiara Piquette gagne 19 ans. Attention, ballon pour les Paraguayennes. Tentative de dribble réalisé par Céleste Aguilera. Finalement, ce ballon se tient touche. Autrement dit, il y avait hors jeu. Selon le jugement de l'une des arbitres assistantes, la nouvelle venue à l'écran n'a parlé de Penelope Hawking. Attention, le contrôle, la passe en retrait, ballon pour Penelope en retrait, et pour
Kiara Piquet, le dégagement de Kiara Piquet, ballon Penelope Hawking, yo pas Antonio, ballon toujours équipe américaine, il y a faute. Il y a faute sur Kiara Piquet qui occupe le couloir droit pour l'équipe américaine. Oui. Et papa Gouyen au cap qu'on est en misère, il y a un ballon là, mais son ballon soutient en touche, la touche est américaine, et n'a pas gardé ses Kiara Piquet, Gakijan, et bien il y a une nouvelle venue, équipe américaine, n'a pas parlé de Abigail Kim, cap mandé à ce que il y a fait touche dans souli. À présent, on a Penelope Hawking à l'écran qui vient de disparaître à l'écran. On a parlé de Penelope Hawking. C'est une touche au profit des Américaines. Touche pour le fait. C'est la 75e minute de jeu. 5 pour États-Unis, 0 pour Paraguay. Attention, Américaine va sortir. Ballon pour Penelope. Penelope Hawking. Ballon perdu. En dégagement. Qui mettait ballon en touche. Oui, joueuse de Paraguay a demandé à ce que yo retourne. Vienne aider dans la défense là. Sinon, café au fait couler. Fait continuer à couler. Akma. Nous gagnons Abigail Kim à l'écran, et à présent la nouvelle venue Penelope Hawking qui a pu faire avancer. Il parle de ce que yo joue sous lui, touche le fait en sous Abigail Kim, coup de tête défensif, deuxième balle pour les États-Unis. Bon bataille pour position de balle, finalement c'est avec Kenyo Gain avec un passe de Savannah Demelo, mais bonne défense, ballon récupéré par les Américaines à la gauche. Kounia à la gauche, elle joue dans l'axe, la déviation, bien joué là, attention pour elle concentre. Le centre, sixième goal. Oh. Au centre de Brianna Pinto. Et reprise à passer à côté. Voilà le centre de Brianna Pinto. Et la reprise de la nouvelle venue. Penelope Hawking qui est passé à côté. Qui a une possibilité pour Américaine qui a gravé ce goal. Ballon pour le numéro 8, Brianna Pinto. Mais non, attaque avortée. Ballon capté par la gardienne paraguayenne. Américaine, nous avons qui soif marqué toujours dans le match là, malgré 5 goals marqués à Jérôme, nous soif marqué l'autre goal toujours dans le match. Oui, nous soif parce que nous sentons que nous capable de faire plus et nous connaissons que dès qu'on marque plus de goals, et bien ça prend le cerveau en pile pour suite compétition, surtout dans les phases de groupe. Ça pour le faire remarquer. Début, on marque en pile goal jeudi à une victoire dans le prochain match à Bayo qualification. Parce que au moins avec 6 points, la fini deuxième. Oui, au capable fini premier. Dépendamment de différence de but, capable de gagner par rapport à eux-mêmes et l'Espagne. Alors, si toutefois, tu as battu l'Espagne. Oui, oui. Entre temps, ballon balancé. Ballon récupéré par les Paraguayennes. Mais c'est un ballon que l'Américaine nous a gagné. Attention, Penelope Hawking. Il y écarte le couloir. Ça s'arrête. Si c'est au moment. Et Savannah, le deuxième triplé dans ce mondial féminin après celui de la joueuse espagnole. Oui, deuxième triplé qui fait la Coupe du Monde. Ça, et c'est Savannah Demelo, bien servi par Abigail Kim. Comme à l'entraînement, c'est facile. Savannah Demelo, avec le plat du pied gauche, a mis le ballon au fond des filets. 6 buts à 0, score de tennis. Vous dites que vous avez un peu de gauche pour ça. Vous n'avez pas si misé ça, Guérina. Oh, Guérina, tu es prendre 10. Et Nathalie Guérina, vraiment, tu es contre Gampil Gol et qui peut répondre à ça. Guérina, tu es pas de gauche pour ça, papa. Guérina, tu es moué. 91. Pour ta bouille, Guérina. Tu nous as dans ce stade-là. Non, et 8 nous devons, on aime et toi, mes gars. Allô, Martin, bat contre lui, bah, Martin, il m'a blité contre lui. Et garçon, il te prend combien? Il te prend 10 et Colorado?
Déjà vu. Regardez, monsieur. Où sont les matchs Colorado, ça, Jérôme? Équipe PPAT pour un raclet ou équipe olympique PPA. Entre-temps, 6 buts à 0, madame, monsieur, entre les États-Unis et l'équipe du Paraguay. Quel score, le plus beau score de ce mondial des mois de 20 ans. Oui, jusqu'à présent, si ça, parce que la difficile, c'est pas impossible, non, mais nous pas arriver dans la deuxième phase. Est-ce qu'on équipe pas arriver dans la deuxième phase là pour pas prendre 7 goals dans mon équipe? Je ne crois pas. Pia, ça va le plus souvent, c'est dans le premier tour. Oui, premier tour. L'école là, qui est récréation, ça va, ça y est. Mais Paraguay, même monsieur, il est un attaqueur de l'équipe américaine. Et 7-0. Non, regardez tout, il y a monsieur Pénélope, en King, pas fait 7-0. Monsieur Nambouchka, monsieur, par là, tu as passé. Je ne sais pas, il n'y a pas qu'à dire le pape jouer, monsieur. Il y a Pénélope là, monsieur, tout founéli. Relance qui va l'assurer par Isabelle Ortiz. Pour diable, petit gars, il est découragé. Découragé pour diable. Il défend, oui. Il fait ça le capable, mais pour diable, il n'y a pas qu'à éviter une catastrophe. Ça. Oui, son équipe paraguayenne très 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 limitée, parce que dans pile travail que vous faites au niveau féminin dans le pays, ça. Et bon, football en général, parce que j'ai fait un ma 4 là, monsieur. Depuis après génération, tu l'avais là, ça t'y compresse des régimes dans le football paraguay. En tout cas, tu peux non pas pour un gros score, ça, papa. Nous avons beaucoup ce qu'on s'en va passer. Type 2 à 1, type 1-0, on prend. Entre-temps, ballon donc pour. Je ne pas dire que c'est l'équipe qui finit plus mal dans la Coupe du Monde. Ça. Il est vrai que nous pouvons faire point, certes, mais. Paraguay, ça m'a là. S'ils font point, on est déjà, mais pour la prendre. En tout cas, c'est la fin pour le bon point. Attention, ballon donc, quel contrôle de la poitrine. Elle peut jouer sur le feu, c'est ce qu'elle fait. Abigail, le centre. Oh oh! Il y a des problèmes, monsieur. Et donc, finalement, Isabelle Ortiz, capte ballon, grâce à Antoine. 6 buts à 0 pour les Américaines. Oui, c'est cool. Avec un doublé, un triplé et un but de. Oui, c'est Konya nous a parlé de score de tennis 6 buts à 0 en faveur de l'équipe. Premier set la fini. Oui, premier set la fini en attendant de deuxième. Non. 6 buts à 0 en faveur de l'équipe américaine. Attaque des Paraguayennes, mais il y a faute sur Jessica Villagra Martinez. Faute commise par la joueuse de l'équipe américaine Aurel. Le coup franc en faveur de Jeline Aurel. Oui, le coup franc en faveur de l'équipe paraguayenne. Ballon placé à l'entrée de la surface de l'équipe américaine. Certainement, joueuse incapable de faire direct ou du moins mettre la surface réparation pour n'importe pied. Mettez-le au fond des filets. Yon équipe paraguayenne méconnaissable. Le coup franc beauté, c'est directement. Ballon passé à côté. Coup franc beauté directement par. Martinez, et c'est à côté des buts de Ivory Roel. On revoit ce coup franc exécuté par Martinez, le milieu de terrain de l'équipe paraguayenne. Équipe paraguayenne qui dépassait par les événements, qui est trop faible dans la compétition. 10 buts encaissés en 2 matchs. Ballon dégagé par Ivory Kim de la tête en retrait. Déviation. Ballon au profit, c'est au profit de l'équipe paraguayenne. Récupération dans le cas américain. Attention. Pénélope. Possibilité de 7e goal. Pénélope. Possibilité de 7e goal. Attention. 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 Non. Encore. Une action personnelle. Il dérache. Oui, c'est lui-même qui est. Oui, il se traite. Goal là dans Mouchka. Passons avec un pillage là. Remise au 5,50 en faveur de l'équipe paraguayenne. Alors monsieur, ça vous nous retenez dans l'histoire d'Haïti après Mano Sano, nous avons Nerilia Modésir qui marque dans la phase finale Coupe du Monde. Oui, et à vrai dire, il était un goal en 2007 et Fondi après Mano Sano. Alors on va parler de côté mesdames. Oui, bon côté mesdames, c'est Nerilia Modésir
qui marqué dans en 2007 nous fait goal à tel point que nous bail la France son goal nous pas chemin pour qui ça retire goal ça Guerina jusqu'à présent nous pas chemin pour qui ça Michel ça retire goal que sélection moins de 17 ans te bail la France. Et des vobes, et des vobes, et des Fabien, et des Fabien, et pas Fabien Vob, non. Si petit ça te joue dans Baltimore, Gamesley Joseph Junior, si petit long, ah oui, Camboy, Camboy, de regretter mémoire, philo. Attention, possibilité de 7e goal, ballon capté par la portière de l'équipe paraguayenne, Isabelle Caniza à la relance pour la sélection du Paraguay. 6 buts à 0, oui. Voilà. 5 minutes à séparer nous de temps réglementaire. Un match à football là, monsieur. Équipe américaine là, qui dit les 3 fois là pour équipe paraguayenne. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Abomisé, monsieur. Et équipe américaine là, qui a giflé sélection paraguayenne. On a Brianna Pinto de dos. La relance, le ballon au niveau de la défense, la sélection américaine avec Kim qui remet en retrait, mauvaise passe, récupération avec la sélection paraguayenne, la faute commise sur le dossier 17, Jiménez Bourgarin, coup franc en faveur de l'équipe paraguayenne, 6 buts à 0, auditeurs et téléspectateurs, radio et la télévision. Oui, puisque tu es perdu dans le premier match contre l'équipe du Japon. Le coup franc en faveur. Oui, ça c'est clair. Et si nous t'es joué tout, nous t'as fait. C'est dommage, il n'y a pas de banon. Il y a une équipe côté que pour nous goûter au moins et faire une victoire. Et baba, il y a un tir à Youssou. Tout le monde là. En attendant l'Allemagne, puisque. Le coup franc en faveur de l'équipe paraguayenne. Le ballon soulevé. Attention. Quelle claquette. Bon de bagaille. Ivory. Bon bagaille. Bon bagaille. Encore. Ivory. Encore Martinez. Oui. Et très concentré. Un très bon coup franc de Jessica Martinez. Oui. Et la claquette de Laurel Ivory. Le corner exécuté. Attention. Ballon dégagé par la défense américaine. Le ballon soulevé dans la surface. Repoussé à nouveau. Deuxième balle. Coup de tête de Kim. Le ballon dégagé par Alonso de la défense paraguayenne. Il y a faute. Estime l'arbitre central. Coup franc en faveur de l'équipe américaine. Ballon de la défense de la sélection étoilée. Ballon à gauche avec McKeon. La longue passe en avant. Mais c'est pour la défense. Attention, paraguayenne. La défense paraguayenne qui récupère. Oui. Il dégage, lui. Ballon de la défense américaine avec une passe en avant. On va dégager, on va poser ce goal, monsieur. Oui, déviation, le centre, mais récupération de la défense et du Paraguay. Et on bondit, oui, monsieur. Oui, Fondi, et t'es un pile maladresse. Un pile maladresse, du côté des Américains. Du côté des Américains, avec nous songer numéro 6 là, nous songer. Savannah Raton Gol tout fait. Oui, nous songer Sophia Smith Raton Gol tout fait. Smith Raton Gol tout fait. Oui. Et Penelope Smith Raton Gol là tout fait. Oui, c'est au moins 9-0. Mais score, c'est 6-0 pour le moment en faveur de l'équipe américaine. Les Paraguayens à l'attaque, deux joueuses au marquage pour la récupération du ballon. Bonne passe, non, ballon perdu. Les Américaines qui récupèrent la passe de la défense, possibilité de longue balle. La passe pour Kim, non, la passe à droite, mais ballon qui contrait. Lee sortie en touche, l'entrée de touche en faveur de l'équipe américaine. 6-0 en faveur de l'équipe américaine.
américaine de football. La passe récupération dans le camp du Paraguay. Ballon sorti en touche sous la menace de Kim. L'entrée de touche en faveur de l'équipe des États-Unis d'Amérique. Ballon à droite, possibilité de centre. Non, ballon contré et c'est une rentrée de touche en faveur de l'équipe du Paraguay. Touche exécutée. Paraguay qui voulait sauver l'honneur, mais c'est pas facile. Et dans une défense des États-Unis bien en place, les États-Unis à l'attaque. Ballon contré, dégagement dans le camp du Paraguay. Récupération maintenant. Ballon assorti en touche. Rentrée de touche en faveur de l'équipe américaine. Arbitre central qui mandait à joueuse Madame Kin Leong. Touche en faveur de l'équipe du Paraguay. 2 minutes de temps additionnel. Pas beaucoup de temps à jouer puisque l'équipe américaine a plié match à Jérôme Pierre et yo 2 minutes pour Calvert Paraguay. Oui. Yo. Pour le chemin de croix. Et Paraguay cap connaît yon misère. Vous connaissez ça, même ça m'a dans le football, c'est que y a battu pour pas qu'à jouer pas. C'est relax. Quittez au bimé. Yon de cap un choix. C'est comme si. Si yon abandonne, y a perdu 2-0. C'est comme si c'est yon match boxe, monsieur. Et des fois planifié pour vin perdu. Pito tout équité, t'as perdu 2-0 seulement. En boxe et combat yo, des fois yo planifié d'avance Jérôme Pierre Dominique Kisner. Oui. C'est tout comme en football, en pile fois ou vini dans compétition, yo bon prime de participation, même si ou prend 5, 6, 10 goals, c'est pas grave parce que tout simplement ou besoin perdu pour capable progresser, pour tirer leçon des défaites là pour avancer. C'est ça qui a privé l'équipe. Hop! Pélénop raté passe là, ballon dégagé. Quelle anticipation de la défenseur américaine. Elle perd le ballon. Équipe paraguayenne, peut-être pas le capable de faire affaire là. Il n'y a pas très bien 90 minutes là. Peut-être que vous allez mettre 2 minutes qui étaient. Ballon pour la gardienne de l'équipe américaine. Je parle de Laurel Ivory. Laurel Ivory va pouvoir dégager son camp. Elle n'a que 18 ans. Laurel Ivory, l'équipe de ballon en défense. La longue relance de la gardienne américaine. Et au moment où c'est fini, c'est fini. L'arbitre chinoise, Madame Kim Leong, met fin. Le calvaire. Les avantages, maman, t'as dit, bon, t'as donné le son. Voilà, 6-0, score de tennis pour l'équipe américaine qui vraiment ressaisit, qui fait un réveil brutal contre les Paraguayennes avec un doublé et un triplé. Triplé de Savannah Demelo, un doublé de Sophia Smith et un but de Ashley Sanchez. Voilà le score final de cette rencontre. Nous étions dans le deuxième match du groupe. Nous étions dans le groupe C. Et c'est fini avec série ça. Et nous allons entamer une autre série à partir de 2 jours. C'est à ce moment nous allons connaître les 8 qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition, même si nous connaissons déjà quelques équipes qui qualifient. Le cas de la Hollande, le cas de l'Espagne, l'Allemagne. Mais après t'étendre les 6 autres qualifiés pour les quarts de finale. Coupe du monde là qui a avancé sérieusement. 9e édition, Coupe du monde U20 qui a fait dans le pays la France. C'est ça, monsieur. Rapidement, nous faisons rappel du score qui est enregistré pour journée 1. Tout d'abord, très bon matin, l'Allemagne qui passe mais sous la Chine 2-0. Et puis à 18h30, 2 matchs pral à l'affiche. Haïti tombé, yon 2e fois dans la compétition contre le Nigeria, yon 1-0. Yon faute qui était maintenant pénal. Et en pénal, peut-être que arbitral, à mon avis, trop sévère par rapport à physionomie match là. Mais écoutez, nous pas de cas dit pas de pénal. Clair. Nous pas de cas dit pas de pénal. S'il est vrai que y a des arbitres qui t'ont fait quitter le passé parce que
par rapport à Jean match tab déroulé. Mais écoutez, c'est job li ça. Si gen faute, li estime que gen faute, li bay pénal, eh bien, nous perdu par un goal à zéro devant le Nigeria. Et puis, rencontre qui tab joué dans le même moment à Haïti contre le Nigeria, c'était l'Espagne. La situation du groupe C, l'Espagne est en tête avec 6 points, goal différence plus 4. États-Unis 3 points, goal différence plus 5. Japon, troisième, 3 points, goal différence 0. Et puis, Paraguay, 0 points, goal différence moins 9. Et nous voulons rectifier, Jérôme, c'est l'Allemagne qui qualifie Jean-Dominique Dilla. L'Espagne a obligé de dernière journée. C'est vrai, il y a 6 points, il y a un pole position. Mais dans la dernière journée, il y a une possibilité pour 3 équipes finir à 6 points. Japon pourra jouer face au Paraguay, une victoire à mettre là 6 points. Et États-Unis pourra jouer avec l'Espagne, une victoire à mettre là 6 points. Alors, deux qualifiés mathématiquement là, c'est la Hollande. La Hollande, l'Allemagne. L'Allemagne. Qualifié. Alors, justement, tu as rappelé ce qu'il y a. L'Espagne qui bat le Japon, il y a un goal à 0. Ça qui vient de mettre à 6 points. Et puis, on t'a suivi le dernier match de notre journée qui était opposé les États-Unis face à l'équipe du Paraguay. Plus gros score Coupe du Monde jusque-là. 6 buts à 0 pour la formation étoilée. Alors, monsieur, en commentaire, bien avant d'arriver sur le match Cap Gayen pour troisième journée. Face du groupe Coupe du Monde. Bon, je pense que son match entraîneur et joueuse équipe paraguayenne, il n'y a pas oublié vite. 6-0, bon, son match qui est oublié. Concentré pour le dernier match de groupe qui va le faire à partir de la semaine prochaine. Là, je pense que on va le racheter au moins une victoire. Et dans le dernier match, il est capable de sauver l'honneur dans la participation dans la phase finale de la Coupe du Monde. Merci Antoine. Oui, et on y a une défaite largement face à l'équipe américaine. Non? 6 buts à 0 pour les États-Unis. L'équipe paraguayenne qui a gagné pour la prendre de défaite ça pour les progresser. Tant que j'en ai dit tantôt, si la FIFA est capable d'accorder seulement 2 places dans la zone Amérique du Sud, là, c'est une raison qui montrait que le football au niveau féminin n'est pas vraiment marché dans la zone. Non? Sinon que le Brésil. Sinon que le Brésil qui s'est habitué dans le football féminin, toute catégorie est confondue, équipe paraguayenne qui vient apprendre de compétition. Et là, même dans le troisième match, il a limité les dégâts et puis il est capable de retourner à Asunción puisque l'équipe paraguayenne déjà fait valise. Et les États-Unis, avec victoire, ça, ils ont en confiance en attendant l'Espagne puisque les États-Unis connaissent si la qualifié, il faut qu'il batte l'Espagne. Match espagnol. Mettre la 6 points. Oui, c'est un match qui et nous pas le temps de ça qui a passé dans le Japon contre le Paraguay pour nous donner est-ce que l'Espagne lui-même a prêté en vie. Ça qui dit que groupe ça, nous pouvons gagner qualifié, oui, sinon oui. Que nous avons qualifié dans la dernière journée. Alors, Paraguay qui prend un raclé, 6 goals à 0, équipe américaine qui a montré après 5e minute de jeu supériorité et fait parler expérience, surtout comme une équipe qui est toujours présente dans la phase finale Coupe du Monde. 9 éditions, ils sont toujours présents. Ils ont remporté 3 titres. Donc, on est capable de comprendre que gagner non seulement maturité, gagner expérience, et puis gagner puissance tout en deux équipes américaines qui vraiment maîtrisaient du début jusqu'à la fin et rencontrant et malmené paraguayenio 6 goals à 0. Alors monsieur, demain et vendredi pas de match, samedi également pas de match, troisième match du groupe yo a démarré là dimanche. Alors rapidement la programmation match yo, dimanche 12 août à 7h30 du matin. L'Angleterre a joué contre le Mexique. L'Angleterre a gagné 4 points. C'est ça? Oui, 4 points. Le Mexique a gagné 3 points lui-même. Dans le groupe ça. Et puis Brésil. Brésil a joué contre Corée du Nord. Donc c'est pas le match que téléspectateurs auditeurs pourront le brancher pour suivre comment ça pourrait le passer pour le Brésil. Brésil avec un seul point. Oui, parce qu'ils font nul avec l'Angleterre, ils font seul point. Ils arrivent à 4 points, c'est tout fois que Destel Panameli, mais ils sont capables toujours de qualifier comme deuxième dans le couple, dépendamment de ce qui va le passer dans le match Mexique contre l'Angleterre. Match ça a programmé pour dimanche à 7h30. Le même dimanche 12 août à 10h, toujours dans le groupe A, et allons-y dans le groupe B, dans le groupe A, a gagné Pays-Bas contre la France.
la France gagne 4 points. L'époque qualifié. La Hollande, l'époque qualifié à 4 points là. La Hollande déjà qualifié avec 6 points. Donc, nous parlons, ça va passer dans ma ça entre la Hollande et la France. Et puis, Ghana déjà éliminé pour le jeu contre la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande qui gagne 1 point parce qu'elle fait 0-0 avec la France. C'est ça qui fait que, eh bien, la France pour qualifier. Hein, parce que si la France t'a perdu et que Nouvelle-Zélande font gros score sous Ghana, c'est la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est résumé match et États-Unis, Paraguay. C'est ça, et pour le premier goal match là, voilà, en action déclarante de, eh bien, on a parlé de Sophia Smith. Oui, Sophia Smith, dans un angle fermé au premier poteau, elle arrive à marquer le premier but de la rencontre. Pour le deuxième attaque pour les Américaines, on frappe de Sophia Smith, c'est Sophia Smith qui fait frappe là, voilà, la frappe de Sophia Smith qui joue un gros match, pour moi, c'est la meilleure joueuse de cette rencontre. Et puis sous rebond, on va le gagner. Et bien, Savannah Demelo qui va le faire deuxième goal match là. Et puis là, pour le gagner et trois goals, c'est Jill Roy pour le faire passe là. Et puis là, pour le gagner et shoot ça de Savannah Demelo qui va le faire doubler pour l'équipe américaine. Score entre 3 goals à 0. On ballon décalé dans le couloir. Accélération de Ashley Sanchez. Elle remet en retrait et puis qu'est-ce qu'apparaît, c'est ça et Sophia, alors disons mieux Ashley et Sanchez qui est arrivé à point nommé qui pourra le faire quatrième goal là. 4-0, attaque encore, passe plein axe et puis là en bonne buteuse Savannah Demelo pourra le faire un triplé dans le match là, ça qui baille deuxième triplé dans la Coupe du Monde ça, après que nous on joue espagnol qui font triplé contre Ghana. Et puis là, Abigail Kim pral mettre sur un plateau. Eh bien, Savannah Demelo qui pral lui-même et fait goal ça, score final 6 goals à 0, triplé de Savannah Demelo, un doublé de Sophia Smith et un but de Ashley Sanchez. 6 goals à 0, score de tennis. Alors rapidement, n'a fin ba ou programmation pour dernière journée phase de groupe yo. Nous tenons groupe A 18h30 dimanche 12 août, Pays-Bas France, Ghana Nouvelle-Zélande et puis en lundi pral gagner deux autres groupes qui ont joué. Tout d'abord, dans le groupe C, on a gagné Paraguay contre le Japon et puis on a gagné Espagne contre les États-Unis. C'est un match que un peu de monde va le brancher pour suivre Espagne et États-Unis. États-Unis gagne 3 points, l'Espagne gagne 6 points. C'est prêt pour lundi à 7h30 du matin et puis toujours même lundi hein, à 10h30 du matin. Dans le groupe D, hein, groupe que c'est le soir ici dans la donne, a bien Allemagne contre Haïti. Est-ce que nous allons sauver l'honneur? Nous vous reconnaissons parce que nous, équipe allemande, ça, yo costaud, yo puissant. On a parlé de joueurs allemands, donc nous sommes capables de suivre qui ça que l'équipe haïtienne est capable de faire devant eh bien, mesdames allemandes. Et puis, toujours lundi, il y a République populaire de Chine qui a croisé Nigeria. Nigeria qui beaucoup dit dernier mot. Et Nigeria capable toujours décocher billet parce que Nigeria a gagné 3 points qu'on y a là dans la compétition. Et c'est là tout, madame, monsieur, n'a fait mes retransmissions ça. Merci à vous-même qui t'a suivi. Merci à sponsor Nouyo, n'a parlé de Eurocéram et ICDH. Merci à l'équipe qui t'a accompagné nous, hein. Kérina Foubert à la réalisation, Harry Denis qui fait voix nous river la caillou, Michel Woodney chef de plateau, et puis gagné Emmanuel Turin, sans oublier, eh bien, Dukens Alcin, Jasmine Lorsumé, l'infatigable, Jasmine Lorsumé, monsieur Nouyo dans le service de satellite, monsieur Nouyo dans le service de mise en onde, et puis monsieur Nouyo dans la production, dans la direction technique, et puis direction générale, et bien, on a parlé de. Et notre DG Gamal Jules Augustin et puis il était accompagné de Grassin Antoine et de Fritzien Dominique. Il ne faut pas oublier la direction des sports et n'a parlé de Jean Garadien, Smith Griffon et consort. Voilà madame, monsieur, c'est là que nous bouclons retransmission. Rendez-vous pour match football, c'est pour dimanche matin 7h30 à démarrer et puis toute notre information sur sport c'est pour plus tard à 8h avec Guy Petit Frère. Bye bye tout le monde, à la prochaine.